dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Oh, entrez seulement. Monsieur Bosman n'est pas là. Oui, oui, il est là. J'ai une commission pour lui de la part de mon patron, droguiste. Je le lui dirai. Assieds-toi seulement. Oh non, c'est pas la peine. Hein. Excusez, je ne me trompe pas, tu es bien. Oui, fille, que c'est moi. Mais tu ne sais pas qui je veux dire. Non, sans doute. Toute la journée, on me demande ça à la droguerie. Oh, ça, je pense bien. C'est sur le stade que tu m'as vu. Non, sur la dernière heure de lundi passé. Là, je t'ai pas bien là-dessus, tu sais. Non, moi, je trouve le contraire. Non, allez, c'est sur les sports que t'aurais dû me voir. Ça, c'est un portrait. Et je te beau là-dessus, dis. Et ressemblant et tout, hein. D'ailleurs, j'ai fait tirer une carte postale. Viens, rire. Oi, oi, oi. Hein? Dis, pourquoi est-ce que tu lèves ton pied là-dessus? Quoi, je lève mon pied? Je fais un shot, tiens. Un shot? Qu'est-ce que ça est, ça? Ben allez, je croyais que t'aimais les matchs. Les matchs, je n'ai jamais vu ça. Ben, je croyais que t'aimais le football. Oh, le football, ça j'aime pas. Les footballeurs, oui, ça j'aime. C'est normal, hein, parce que ce sont de très beaux hommes, hein. Comme les artistes de cinéma. C'est pas la même chose, tu sais. Oh, ça fait rien. Je les aime quand même aussi. Sur le mur de ma chambre, il y a des portraits de Belmondo, Jacques Dutronc, et Lino Ventura. Je les ai achetés, Passage du Nord. Ah, oh, ouais. Dis, on ne te vend pas Passage du Nord? Pas encore, hein, fille. Seulement, si tu veux déjà la carte postale. Oh oui, alors? Avec mon orthographe. Oh, si ça n'est pas trop demandé. Allez. Oi, 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 tu as une fois un chic bic. C'est un bic. C'est un stylographe, tu sais. Et en or, hein. Et contrôlé. C'est un cadeau d'une supporteresse emballée. Quand même. Mais. Dis, tu veux pas mettre mon nom avec? Ton nom à toi? Oui, Charlotte Mouise. Charlotte? Non, pas avec ce, avec che, comme. Oui, comme champ d'armes, je sais, tu sais. Mais Mouise. Merci. À mon admiratrice, Charlotte Mouise. Nestor, Vanni Porzello. Ce que mes amis vont bisquer quand je vais leur montrer ça. Ah, oh, merci, tu sais. Ça est gentil de me donner ça. Ça est. Ça est 20 francs, fille. 20 francs pour la carte, hein. Elle me coûte ça. 20 francs? Oui, oui, mais mon orthographe, c'est gratuit, hein. C'est quand même mon orthographe qui en fait toute la valeur, non? Oui, oui, tu as raison, Alain. J'ai juste 20 francs, tiens. Merci. Hé, il a pas l'air d'arriver vite, ton patron. Quand il est en train de jouer aux cartes à la pucelle de Gand avec Monsieur Coppenole, il connaît ni heure ni temps. Monsieur Coppenole? C'est un mot, patron, ça? Ah, lui et mon monsieur, ça est une paire d'amis, tu sais, Orcotte. Je n'ai jamais vu deux hommes aussi bien s'entendre. Ah, alors, mon patron s'entend mieux avec son copain qu'avec sa femme, tu sais. Ah, le ménage, ça va pas? Ah, oui, il va, enfin, il va, si on veut qu'il va, hein. Il va parce que mon singe danse comme sa femme siffle, hein. Sinon, c'est pas... Ça est curieux. Ici, ça est ton monsieur qui veut avoir raison. Ça est toujours lui qui crie. On sort à la maison aussi, hein. Oh, oui, ça, c'est lui qui crie, hein. Oui, oui, mais c'est elle qui commence. Oh. Et voilà. Ben, il était temps. Une minute de plus, moi, je filais. Ils reviennent de la pucelle de Gand. Je suis curieuse de voir lequel des deux a gagné la partie. Comment tu sais voir ça, toi? Hein? Oh, ben, oui, hein, celui qui a perdu, il fait un nez comme ça. Oh, non. Celui qui a gagné met une fleur à sa boutonnière. Et il chante « L'important, c'est la rose ». C'est bizarre, c'est ça. Auguste, ta chanson est une usurpation. Et toi, Bosmont, c'est ta fleur que tu arbores indûment à ta boutonnière. Ouais, t'as beau me bombarder de mots extraordinaires, mais si on a fini à égalité, c'est que tu as triché. Sacré confalo. Hein? Vanni Porzello, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Madame m'a envoyé, monsieur. Pour m'espionner, sans doute. Bon, le patron, moi, j'ai une commission pour monsieur Bosmont. Une commission? Ah oui, c'est au sujet de madame... Charlotte, va préparer le lièvre. Mais n'y touche pas, hein. Tu m'appelleras quand il sera à point. Oui, parce que je dois lier le sang avec la sauce. Comme si je savais pas faire ça. Oui, mais pas comme moi, hein. Et puis pour un repas de fiançailles, il faut que ce soit extra, hein. Les hommes, ça croit toujours que ça sait tout mieux faire que nous. Ouais, 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 ouais. Alors, venez, Brésil, qu'est-ce que c'est que cette commission dont ma femme t'a chargée? Ah, ça va être au sujet de madame Violette.
Non, c'est l'entretenu qui habite mon premier étage. Ah, une belle femme comme ça. Eh bien, son monsieur a dit à la patronne qu'il avait l'intention de faire retapisser l'appartement. Son monsieur? Oui, un chic type. Un sous-directeur au ministère. Voyons la patronne qui a recommandé la maison Bosman, hein? Oh. Ah, ça c'est tout naturel, hein? Au moment où on va vous dire, hein, monsieur Bosman, que vous devez pas oublier que c'est un client qu'elle vous envoie, hein? Sacré Léontine, je la reconnais bien là. Elle perd jamais le nord. Hein? Et quand est-ce qu'ils vont venir choisir ce papier-là? Pas d'une minute à l'autre, hein? Ouais. Nous sommes partis en même temps. Moi, Madame Violette et son entreteneur, là. C'est bon, moi, je suis venu sur mon vélo, tu sais. Eh ben, tu diras, madame. Oh non, ça, monsieur le dira lui-même. Moi, je n'en vois plus aujourd'hui. Hein. Comment? Tu ne rentres plus à la droguerie? Non, hein, patron, moi, j'ai séance d'entraînement. Comment il plaque son travail comme ça, à 4 heures? Ouais, ouais, c'est quand même un peu fort, ça, hein. Tu aurais pu demander la permission. Ben, je l'ai demandé. Oui, à qui, non? À madame, tiens. Oh. Je te l'ai accordé. C'est sûr, ça. Ah, oh, ça, la patronne sait bien qu'il faut faire des sacrifices, hein. Si elle veut garder à son service un as comme moi. Mais c'est déjà bon, monsieur l'as. Tu peux filer. Ben, patron, hein, monsieur. Allez, ouais. Eddie, n'est-ce pas? Oui, patron, oui. Pas la peine d'aller demain raconter à madame que tu m'as vu ici, hein. Enfin, patron, moi, je suis pas un gamin pour rapporter, tu sais. Comment aller? Et on, tu ne sais pas que tu viens faire ta partie de cartes avec moi? Non, je lui ai dit que j'allais chez un fournisseur. Hein. T'as pas le droit? Moi, j'ai tous les droits. Bon, ma femme, elle se fait tout de suite de chagrin quand elle sait que je vais au café. Hein. Alors, pour éviter ça, je lui raconte une carabistouille quelconque. Ça n'a pas d'importance, puisque je fais quand même tout ce qui me plaît. Hein. Ça, je veux bien le croire. Je suis le maître. C'est ce qu'il faut. Et c'est ce qui est. Du reste, tu t'en rendras mieux compte lorsque tu entreras un peu plus dans notre intimité après le mariage de nos deux enfants. Ah, ce mariage-là, Auguste, sera le plus beau jour de ma vie. En rien, si tu sais, François. Ton fils qui épouse ma fille. Quel beau couronnement pour une amitié comme la nôtre. Hein. Une amitié qui a commencé à l'école maternelle. Oui, moi je me souviens encore du jour où nous avons fait alliance. Oui, le jour où les gamins du bateau de Saint-Michel se sont tombés dessus. À trois? À trois contre moi tout seul. Oui, ça je n'ai pas pu voir et il a fallu que je m'en mêle. Il faut dire aussi qu'on était d'une force peu commune. Oui, mais pas de la même façon, hein. Moi, j'étais surtout fort en muscles. Mais toi, t'étais surtout fort en gueule, toi. Allez, rappelle-toi toutes les histoires qu'on a eues à cause de ta langue. Et moi, je devais toujours tout arranger avec mes poings. Et les crottes que nous avons commencé à fréquenter. Oui, moi, je me rappelle encore de la première qui m'a tapé dans l'œil. Qui nous a tapé dans l'œil. C'est juste, on était tombés amoureux de la même. Une petite blanchisseuse de la rue Notre-Dame du Sommeil. Oui, Jean-Luc. Sa mère vendait des paniers. Sainte-Thérèse, ça, oui. Ce qu'elle pouvait être jolie. Qui, Sainte-Thérèse? Non, Jean-Luc. Et même qu'on a tiré au sort pour savoir lequel de nous deux pourrait lui faire la cour. Et c'est moi qui ai gagné, hein. Oui. Comme elle fréquentait déjà sur un grenadier comme ça. C'est lui qui t'a flanqué une pile. C'est ah, et notre service militaire qu'on a fait ensemble. Et nos succès dans les sociétés d'amateurs quand on chantait nos duos comiques. Tu te rappelles encore? Oui. Nous faisions sentinelle pour vous, mademoiselle. Nous aimons rire et cascader, cascader, Oui, voilà maintenant que le mariage de nos enfants va encore nous rapprocher davantage. Et voilà qu'on célèbre aujourd'hui la fiançailles. Et bientôt on sera bon papa. Grand-papa des mêmes petits-enfants. Oui, des enfants et des petits-enfants. C'est tout ce qui restera de notre folle jeunesse. Et ça est des souvenirs. Et cette vieille habitude qu'on a pas perdu d'aller faire notre partie de cartes tous les dimanches matins chez Jean Péquet. Oui, on a commencé chez la mère Péquet qu'on avait 17 ans. Et on finira chez la petite fille de Péquet quand on aura 87 ans. Oui, ça je sais pas tout ça.
Moi, je n'aime plus beaucoup d'aller là, tu sais. Non, depuis qu'ils ont déménagé, là, quelle drôle d'idée d'avoir été s'installer devant ce stade-là. C'est une idée de génie, mon cher. Ah. Les jours de match sont désemplis pas. Ah, ça supporte sa gueule, ça crie. On s'entend plus jouer, vieux. Et bien, moi, je... Quoi? Et voilà, des gars. Eh bien, ma locataire, son monsieur. Ah? Ça m'embête qu'il me voit ici. C'est un vieil ami? Non, mais c'est parce que j'ai aidé à ma femme. Oui, enfin, ça n'a pas d'importance. Je fais quand même tout ce qui me plaît. Hein. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, mon cher propriétaire. Figurez-vous que nous venons quitter votre phare. Oui, je sais ça. Comment vous savez déjà? C'est tout naturel qu'un locataire rencontre sa propriétaire quand ils habitent le même immeuble. Hein. Voilà. Alors, comme ça, vous allez faire retapisser votre appartement. Ah, vous savez cela également. Il y a à peine une heure que ça a été décidé, pendant. Oui, c'est parce que... Parce qu'il est tout naturel quand on vient chez un tapissier que c'est pour faire tapisser. Voilà. Eh bien, je vais vous montrer la collection, madame. Ça, elle vient de rentrer il n'y a pas très longtemps, c'est ça. Bien. Vous allez gâter, vous savez, parce que c'est une très belle collection. Ah. Jamais vu une collection prête. Eh bien, voilà, si vous voulez faire retapisser votre salle à manger, voilà un petit papier que je vous recommande. Tenez, il vient de sortir. Voyez ces fleurs-là. On croirait vraiment sentir leur parfum, ça. Eh bien, une salle à manger, tapissée comme ça, vous avez tout de suite l'impression de manger dans votre jardin d'hiver. C'est vous, madame? Ah oui, merci beaucoup. C'est vous. Écoutez, c'est pas mal, en effet, mais qu'est-ce que tu en penses, Eliasson? Ah, c'est à toi de décider, ma chérie, puisque c'est pour ta salle à manger. Dites-moi, ça revient combien, Rouleau? 80 francs. Hein? 88 francs. Avec les 10%. Pour les congés payés. Oui. Les congés payés. Alors, ça vous plaît, ce petit tapis? C'est pas facile à dire comme ça. Je ne pourrais pas le voir en rouleau. En rouleau? Mais si, il n'y a que ça ici, des rouleaux. Joseph, arrive une fois. C'est mon fils. Il est plus jeune que moi. Il grimpe plus facilement l'échelle que moi. Mais n'est-ce pas ce jeune homme qui va épouser votre fille, monsieur Coppenheim? Oui, en effet, madame. Nous fêtons même ce soir ici leur fiançailles. Ah, ça fera un très joli couple. Ouais. Comme nous l'avons été, n'est-ce pas, ma chère? Hélas, chère. Ça, je dois dire qu'il y a peu de jeunes filles aussi charmantes que ma Georgette. Ah oui, peu de jeunes gens aussi beaux que mon Joseph. Est solide avec ça. Solide. Est-ce qu'il n'a pas fait partie dans le temps d'une équipe scolaire de football? Gardien de but, il était. Oui, même que ses camarades disaient que c'était un as. Comment? Il a eu le triste courage d'abandonner ce noble sport. Bon, quand on est dans le commerce, hein, madame. Il n'est même pas si tenu que ça. Tenu? Ben, il entre et il sort quand il veut. Bon, monsieur, votre fils devrait se faire inscrire à l'Union. Ah non, pardon, il devrait se faire inscrire au D. Écoute, laisse-moi tranquille avec ton Derry. Et toi avec ton Union? Mais enfin, tu n'iras pas que ton Derry n'est qu'une équipe de Louis. Mais si, je l'ai. Oh! C'est ton Union qui est une équipe de savates. De savates? Ben, demande seulement l'avis de monsieur Coppenheim. Bon, il sera certainement de ton avis, la Lyon aussi, supporter du Derry, non? Ça prouve qu'il s'y connaît en football. Ça prouve qu'il n'y connaît rien du tout. Non, croyez-moi, monsieur. Si vous voulez que votre fils vous fasse honneur, faites-le inscrire à l'Union. Au Derry! Au Derry! Au Derry! Inscrire ni à l'un ni dans l'autre. Et pourquoi ça? Ben, il va prendre femme. Ben alors, ça n'empêche pas. Vous le voyez déjà courir derrière un petit ballon, comme ça. Avec ses jambes toutes nues, comme un petit gamin. Ce n'est plus un amusement pour un futur marié, un futur père de famille, hein. Ça, c'est toi qui dis ça, mon cher. Il y en a d'autres qui le font. Hein. Ça fait bien trop sérieux pour s'amuser avec ses enfantillages. Hein. Ben, c'est encore toi qui dis ça. Eh bien, la preuve, c'est qu'il n'a jamais voulu faire partie d'une équipe de football
depuis qu'elle est sortie du collège. Mais parce qu'il sait qu'il n'aime pas le sport et il ne veut pas contrarier son père. Ah, c'est un fils modèle. Ah, alors. Ce sera un mari modèle aussi. Ça, je crois aussi. Tu entends ça, Eliassin? Ah, je t'en prie, Violette, n'augmente pas mes remords. Je vous demande pardon, mais je dois vous brûler la politesse. Ah, tu rentres chez toi? Mais non, je vais passer chez mon fournisseur de pâte pectorale, puisque je l'ai dit à ma femme. Ah! Voilà notre heureux gaillard. Monsieur Copenot. Bonjour, chef. Alors, François, tout à l'heure, hein? Ben, à tout à l'heure. Madame, monsieur, ça, monsieur, tout à l'heure. Tu m'as appelé, Dupin? Oui, fiston. Montre une fois à madame et à monsieur les dernières nouveautés, là. Madame choisira seule. Pourvu que ça lui plaise, c'est tout ce que je demande. C'est pour salon, salle à manger, chambre à coucher? Oh, pour tout! L'appartement doit être complètement remis à neuf. Bon. Et surtout, ma chérie, ne lésine pas. Prends ce qu'il y a de mieux, quel que soit le prix. Non, je t'en prie, plus un mot, Eliassin, ne m'attendris pas. C'est par ici, madame. Ah oui, pardon. Madame Violette est charmante, hein? Oui. Malheureusement, elle a une phobie. Phobie? Oui, oh, terrible. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Ma femme, elle a bien une plébite. Même qu'elle en est morte. Non, non, pardon. Une phobie signifie une obsession. Un parti pris raisonnable et dont on ne veut pas se défaire. Eh bien, c'est toujours comme fait ma femme. Oui, vous lui auriez pas fait manger un fromage et des pâtes de grenouille pour tout l'heure du monde. Moi-même, je pouvais pas en manger. Et elle savait même pas si c'était bon ou mauvais, elle n'avait jamais goûté. Les femmes ont ses lubies. Ça ne nous a pas empêchés d'être un ménage heureux. Bien entendu, quand il ne s'agit que de fromage ou de cuisses de grenouille, ça peut s'arranger. Madame Violette, c'est autre chose, elle sait. Une phobie. C'est plus grave, ça. Rendez-vous compte, monsieur. Elle est, comme vous avez dû le remarquer tout à l'heure, anti-Déric. Anti-Déric? Oui, monsieur. Oui. Anti-Déric. Une infirmité, ça. Une infirmité mentale. Vous ne comprenez pas, peut-être. Si. Mais tout de même pas très bien. Eh bien, en d'autres mots, elle méprise les joueurs de la fameuse équipe boulogne-bécoise. Elle le méprise. Elle leur préfère ceux de l'Union Saint-Gilloise. C'est une opinion, ça, monsieur? Une mauvaise opinion, monsieur. Vous voyez? Vous ne permettez pas d'en douter. Bon, c'est comme vous voulez, vous savez. Moi je n'ai aucun parti. Ah, si Violette était comme vous, sans aucun parti. Mais nous n'aurions jamais eu un mot, n'est-ce pas? Comment vous vous disputez comme ça pour des histoires de football? Enfin, rendez-vous compte, monsieur. Elle avait le toupet de me vanter le jeu de ses savates de Saint-Gilles. Pendant les matchs, elle applaudissait. Elle leur a même jeté des fleurs. Mais c'est gentil, ça, monsieur. Non, monsieur. C'est impardonnable, monstrueux. Jeter des fleurs aux joueurs de l'Union Saint-Gilloise quand on est l'ami officiel du vice-président d'honneur, des super supporters du D. Vous êtes vice-président d'honneur? Super. Félicitations. Vous voyez d'ici la situation. Pendant les matchs, mon ami et moi, on se disputait sur les gradins du stade. On se disputait au café. On se disputait en rentrant. On se disputait toute la semaine suivante. Vous faisiez plus que ça, alors? Exactement. Quel enfer, hein, monsieur? Oh. Puis maintenant. Ah, maintenant c'est changé. Oui, nous avons décidé de nous séparer. Fallait en arriver là, sinon ça aurait fini par un drame. Tu moi, je ne comprends plus très bien, vous savez. Vous vous séparez et vous faites remettre l'appartement en neuf. Et à mes frais encore. Ah. Mon cadeau de rupture. Je laisse également à Violette les meubles et je continue à payer son loyer. Jusqu'à ce qu'elle m'ait remplacé. Un beau geste, monsieur. Un geste chevaleresque, ça. Je lui devais, n'est-ce pas? Une si gentille personne, quand il veut. Et jolie avec ça. Jolie? Et savez-vous, monsieur, que en 1966, il ne lui a manqué que 3 voix pour être proclamée Miss Wallonie. Voyez-vous. Et sa rivale, qui a remporté la palme, était bien moins jolie qu'elle. Ça, je veux le croire aussi, ça, monsieur. Seulement, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Oui, oui, moi, je comprends. Le jury. C'est des hommes, hein? Et Violette est la vertu même. Mais ça s'entend bien, ça. Et avec ça, une cuisinière de premier ordre, elle vous confectionne de ces petits plats fins. T'as sans lécher les doigts. Ah.
Ah, je lui souhaite de refaire sa vie. Et de trouver cette fois-ci, oh, non plus un concubin. Un quoi, monsieur? Oui, enfin, je ne trahis pas un secret, n'est-ce pas? Violette et moi n'étions pas unis par le lien du mariage. Ma femme, quoique séparée en fait de moi depuis des années, refusait de divorcer. C'est malheureux, ça, monsieur. Violette mérite mieux qu'une situation aussi fausse. Ah, je veux le croire aussi. Elle mérite d'épouser pour de bon. Un brave homme, pas trop jeune. Elle n'aime pas les blancs becs. Oh, elle ne peut pas les souffrir, non. Ses préférences vont aux hommes de notre âge. Oui, oui, je vois. Quelqu'un de sérieux, là, qui est encore de Boresse, comme ça. Voilà. Ouais, ça prouve que Madame Violette est intelligente et qu'elle a du bon sens. Oh, pour tout ce qui n'est pas football. Un sens est différent, ça. Ben, je lui souhaite de rencontrer un homme dans ce genre-là. Par exemple, un commerçant aisé. Comme vous. Comme moi. Je peux vous offrir un cigare, monsieur. Vous ne me croirez peut-être pas, monsieur. Si, 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 si. Et vous me faites l'effet d'un brave homme, c'est vous, monsieur. Ça, vous pouvez le dire. Eh bien, le jour où je verrai ma Violette convolée en juste noce, j'en aurai le cœur déchiré. Je comprends. Mais je serai heureux quand même. Je serai heureux de la voir heureuse avec un autre. Je ne peux vous dire que... Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? C'est une belle nature, monsieur. Permettez-moi de vous serrer la main. Vous voulez encore un cigare? Il y en a plus. Je vois avec plaisir que vous compatissez. Non seulement je compatis, monsieur, mais... Je vous vois si malheureux, là, que je voudrais faire quelque chose pour vous, pour atténuer cette première soirée de séparation, là. Quoi donc? Eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, monsieur, je donne ce soir un repas de famille pour célébrer les fiançailles de mon fils avec mademoiselle Caponol. Voulez-vous être de nôtre? Moi, si. Eh bien, oui, vous, madame Violette, bien entendu. Sera comme, qui dirait, votre souper d'adieu. Eh bien, si ce n'est pas abusé... Enlevez-vous. Si Violette accepte, j'accepte aussi. Eh bien, on va lui demander tout de suite. Oh, mais moi, je n'ai plus le temps, vous savez. J'ai une réunion au local des supporters. Hein, comment faire, alors? Eh bien, qu'elle me téléphone sa réponse au local de ma société. Hein? Elle n'a jamais voulu mettre les pieds, mais elle m'y a téléphoné souvent pour m'enguirlander. Eh bien, espérons que cette fois-ci, ce sera pour accepter mon invitation. Il n'y a pas la raison qu'elle l'a. Eh bien, tout à l'heure, alors, monsieur. Et merci pour la grande part que vous prenez dans mes déboires sentimentaux. Ah, ça, une très grande part, monsieur. Et merci pour l'invitation. Je prends une part aussi, monsieur. Et merci pour les cigares. Ah, il y en a plein. Il y en a plein. Ça, alors, se séparer d'une belle femme comme ça, faut-il que les hommes soient bêtes ou mal? Voilà, ça y est. Alors, vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Sauf pour la chambre à coucher. Ah, comment ça se fait, ça? Eh bien, rien de ce que votre fils m'a montré ne me plaît. Ah, vous auriez peut-être voulu un papier un peu louf, comme ça. Oui, genre intérieur de cinéma ou quelque chose. Oh non, bien au contraire, je préfère le genre ancien. Préférez l'ancien? Oui. Même pour le papier de... Ben oui, ça s'harmonise mieux avec ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dedans? Ce qui avait dedans. Mais ça peut revenir. Je vais essayer de vous trouver ça. Voilà, ce que je voudrais, c'est une imitation de Cœur de Jouy, avec comme dessin des marquises de Pompadour, des temples d'amour et des petits cupidons. Hein? Oui, 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 oui. Qu'est-ce qu'on doit rêver à des jolies choses avec un savoir accouché, s'amuser. N'est-ce pas? Et pas seulement les rêver. Oh, monsieur Bosman, vous faites l'effet d'être un peu polisson. N'ai jamais eu le caractère d'un ermite. Et maintenant que je suis veuf, moins que jamais, moins que jamais. Est-ce qu'elle n'est pas raison, madame? Oh, certainement, monsieur Bosman, certainement. Ah, moi, j'ai toujours bien aimé rigoler, vous savez, mais... J'ai toujours rigolé en tout bien, tout honneur. Oui, moi, j'ai toujours fréquenté pour le bon motif. Vous vous souvenez encore du temps où vous faisiez ça?
Si je m'en souviens, je me compte si c'était hier. Et non seulement je me souviens encore de ce temps-là, mais j'espère bien le connaître une seconde fois ce temps-là. Que je n'ai pas raison, madame Vianney. Oh, mais je ne dis pas non. Surtout que mon fils Alain se marie, je vais me trouver seul dans la vie. Ah oui, ce n'est pas drôle. Non, non, surtout pour un homme comme moi. Comme on me le disait encore tout à l'heure, là, pour un homme qui a encore de beaux restes comme ça. Ah oui, en effet. Vous trouvez aussi que j'ai encore de beaux restes? Oh, mais vous avez mieux que de beaux restes, monsieur Bosman. Vous avez encore un dynamisme. C'est vrai? Mais oui. Puis-je vous offrir une petite goutte de quelque chose? Ah, ben, c'est pas le refus. Hein? Du dur ou du doux? Oh, en matière de liqueur, je n'ai aucune préférence. Ah, ce n'est pas comme pour le football. Ah, vous êtes déjà au courant? Oui, votre ex-ami m'a tout raconté. Et vous savez aussi que nous nous séparons? Que l'imbécile, hein? Qui ça? Eh bien, votre ex-mari, ah. Enfin, se séparer d'un trésor. Oh, non, vous... non, écoutez, là, non, non. Trésor, Je sais que vous êtes intelligente. Oui, c'est vrai. Une femme de ménage parfaite, que vous confectionnez des petits plats à s'en laisser les doigts, et que vous avez failli être nommée Miss Wallonie. Il vous a dit ça? Et il a dit. Même ajouter que si vous vous remariez comme ça sur quelqu'un qui, comme un commerçant aisé ou quelque chose comme un chef, eh bien, qu'il aurait de la peine, mais qui serait tout de même heureux de vous savoir casé. Oh, il vous a dit tout ça. Il a dit. Oh, c'est gentil, non? Mon Dieu, si vous saviez comme je l'ai aimé. Oui, mais maintenant, c'est fini. Ça, je n'en sais trop rien. C'est fini de vous dire. Hein. Pas continuer à aimer un homme comme ça qui préfère sa société du délit à la société de son ami. Ah, d'autant que ma société est incontestablement la meilleure. Ça, oh. Inconstance. C'est moi qui voudrais une fois faire partie sur votre société. Oh, mais rien n'est plus facile. Il suffit de verser votre cotisation pour en faire partie. C'est de cette société-là que vous parlez. Pourquoi? À quelle société faisiez-vous donc allusion? La même. Ah. Pourtant, il y a longtemps que je me dis comme ça. Sus. Pardon? François. François. C'est mon petit nom, ah. Ça, François. Que je dis toujours comme ça, François, tu devrais une fois penser à te faire supporter de la chose... De l'Union Saint-Gilloise. Voilà. Ah oui, mais plus comment vois-tu? Ah, son nom. Oh, quoique je saurais encore jouer avec, vous savez. Ah. Et il y a des jeunes qui n'ont pas mon agilité. Ah, que voulez-vous, à chaque âge, son plaisir. Oui, ça c'est vrai. Membre actif, ce serait plutôt l'affaire de mon Joseph. Oh oui, c'est exactement ce que je vous ai dit. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Je vois que ça vous fait tellement plaisir. Oh oui, alors. Eh bien, c'est oui, voilà, Joseph te fera acquis comme membre actif. Merci. Et moi, qu'est-ce que je serai, moi, dans votre société? Eh bien, membre bienfaiteur. Hein? Il n'y aurait pas moyen de devenir membre d'honneur. Ça sonne. Je tâcherai d'arranger ça. Vous êtes tout de même gentil. Vous aussi, vous êtes gentil. C'est pas difficile d'être gentil avec une grande femme. Vous voulez encore boire un petit verre? Vous savez, vous me l'avez déjà demandé tout à l'heure, j'ai répondu oui. C'est vrai? Oui. Oh, que j'ai l'entête. Vous voyez, hein? On serait sous et on saurait pas de quoi. Vous m'excusez, vous savez, mais
Je crois que je perds un peu la tête, vous savez. Oh, c'est tout de même pas moi qui vous la fait perdre. Ah, ce serait vous, madame Violette. Quel mal y aurait-il? Oh, mais aucun. Aucun. Je bois... À notre sympathie spontanée. Spontanée? Oui. Ah, spontanée. Je voulais dire à notre sympathie qui vient de naître. Ah oui, mais pas de mon côté. Oh. Non, non, youi. Il y a longtemps que je sens quelque chose pour vous. Oh, vous dites ça, parce qu'on va me faire plaisir. Mais je vous le jure, chaque fois que j'en vais chez mon ami Copenol, que je vous voyais entrer et sortir avec votre ex-amie, je me disais comme ça, l'heureux gaillard a-t-il de la veine d'avoir une belle femme comme ça? Que voulez-vous, il n'appréciait pas son bonheur. Un imbécile, je vous dis. Oh non, un pauvre être qui n'arrivait pas à comprendre ma psychologie. Il n'arrivait pas à comprendre votre... Comment est-ce possible de ne pas comprendre votre... Régime. Évidemment, vous employez bien parfois des mots un peu extraordinaires comme ça, hein? Mais quand on est intelligent... On devine tout de suite qu'est-ce que ça veut dire, vous savez. Exactement, je voulais dire comprendre le langage du cœur. Oui, mais ça, il n'y a pas beaucoup qui le comprennent, vous savez. Et vous, vous savez? Comme ça, un tout petit peu. C'est comme le langage des fleurs. Ah oui, la marguerite qu'on est feuille, il m'aime un peu beaucoup, passionnément. Ah non, ça c'est de carabistouille. Je parle du vrai langage des fleurs. Ainsi, le myosotis qui veut dire... Ne m'oubliez pas. Oui, ça je savais. Ah, ça vous saviez. Et l'immortel, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça je ne sais pas. Je t'aimerai éternellement. Tiens, tiens. La pensée. Non, je ne sais pas non plus. J'ai une idée sur vous. Et l'héliopote. Si tu veux, je veux. Et la violette, au fond de mon cœur, la rose, charmante beauté. Ainsi donc, si je recevais un bouquet composé de roses, de violettes, d'héliotropes, d'immortels, ça voudrait dire... Charmante beauté, j'ai une idée pour vous, au fond de mon cœur, si tu veux, je veux, je t'aimerai éternellement. Qu'est-ce que vous dites en bas de ça? Eh bien, je vous dis que je me trouverais bien embarrassée si je recevais un pareil message. Embarrassée? Pourquoi? Eh bien, je ne saurais pas comment répondre dans le même langage. Eh bien, vous n'auriez qu'à lui envoyer une branche de jasmin. De quoi? De lilas. Ah. Et ça veut dire quoi, le lilas? Si tu veux, ça fait moi aussi. J'avais bien compris de lilas. Lilas. Et si ce n'est pas la saison des lilas? Ah, alors vous envoyez une branche artificielle. Ah, bien sûr, ça voudrait même dire que mes sentiments ne flétriront jamais. Oui, mais quel esprit vous avez. Moi, je me demande où vous allez chercher tout ça. Allons, monsieur Bosman, cessez de me découvrir des qualités où je vais me fâcher. Vous fâchez sur moi, vous? Ça, je voudrais une fois voir. Non, je ne pourrais pas. C'est comme moi, si vous voulez. Je ne saurais pas non plus. Vous voulez encore boire une petite goutte? Ah ben volontiers, oui. Et qu'est-ce que vous faites le dimanche? Je vais régulièrement voir les matchs de football. Comme moi, alors, puisque je fais partie sur votre société, là. Bien, ça nous donnera l'occasion de nous rencontrer de temps à autre. Tous les dimanches. Et vous pourriez peut-être... me faire une petite place à côté de vous. Oh, mais pourquoi pas? Et m'expliquer un peu le jeu, parce que je ne comprends rien à tout ce bazar. Eh bien, c'est entendu, je vous initierai. Et vous verrez, dès que vous pourrez suivre la partie en connaisseur, c'est passionnant. Oh, monsieur Bosman. Ah! Non, mais quand vous serez, monsieur Bosman. Excusez-moi, madame Violette. Ça a été plus fort que moi.
Comment la perspective d'assister à de belles parties vous excite déjà? C'est ça, c'est exactement ça. Sans y croire, comme l'arbre suspectif, l'arbre... Mais c'est... Eh ben, vous avez tout ce qu'il faut pour faire un parfait supporter. Les beaux dimanches que nous allons passer ensemble. Vous croyez? Et pas seulement les dimanches. Tiens, et quoi encore? Ça, je vous dirai plus tard. Quand? Quand l'occasion s'en présentera, quand j'oserai dire à vous ce que je n'ose pas encore dire à moi-même. Voilà de retour. Ah, voilà, Auguste. Ma femme et ma fille ne sont pas encore là. Non, Auguste. Oh, à propos, monsieur Coppenole, quoique monsieur Hyacin continue à payer le loyer, je vous demanderai désormais de mettre les quittances à mon nom. Comment ça, pourquoi? Bah, c'est plus régulier. Ah, oui, puisque monsieur cesse d'inviter avec madame. Comment il cesse d'inviter? Bah, oh, mon Dieu, oui, c'est vrai, ouais, mais j'ai la tête, je ne vous ai pas encore annoncé la grande nouvelle. Ah, monsieur, madame Violette se sépare. Pour de bon? Il le fallait bien. Eh bien, je ne sais pas si je dois vous adresser mes félicitations, mes condoléances. Oh, un peu l'un, un peu l'autre. C'est quelque chose tout de même, hein, François, se séparer comme ça, après 7 ans de vie commune. Oui, mais pas 7 ans de bonheur commun, tu sais. J'ai quand même connu un peu de bonheur avec Elias. Pas beaucoup, pas beaucoup. C'est vrai, pas beaucoup. Surtout pas aux époques des matchs. Oh, oh là. En tu es au courant? Ah, dis. On était aux premières loges chez nous pour entendre. Qu'est-ce que vous pouviez vous en guirlander quelquefois? Oui, c'était surtout monsieur qui criait. Oh, madame a aussi un gosier solide, hein, madame? La foi, je ne me laisse pas faire. Ben, vous avez bien raison. Et la vaisselle que vous faisiez valser? Pas moi toute seule, hein? Ça, mon cher, ça s'était réglé comme du papier à musique. Quand c'était l'union qui perdait, c'est vous qui la faisiez valser. Quand c'était le déri, c'était monsieur. Dans tout ça, il y en a un qui gagnait à tous les coups. Hein. Qui ça? Ben, le marchand de porcelaine. Tu... Oui, mais tout ça, c'est passé maintenant. Oui. Mais ça vaut mieux pour la tranquillité de la maison. Parce que ma femme avait déjà commencé à dire, si ces deux la continuent, je vais être obligé de leur donner congé. Comment, madame Coppenole a dit ça? Ma femme a dit ça, mais si longtemps que moi j'ai rien décidé, il n'y a rien de fait, hein, François. Ben, puisque tu le dis, Auguste. Bon, eh bien, moi je me sauve. Au revoir, monsieur Bosco. Allez, à tout à l'heure, alors. Hein? Pourquoi à tout à l'heure? Que moi j'ai oublié. Pardon. Voilà, vous êtes invité avec votre ex-ami au repas de fiançailles. Oh, merci, monsieur Coppenole. Ce n'est pas moi qui ai fait cette invitation. Non, non, c'est moi. J'ai cru que ça te ferait plaisir et que ça ferait plaisir à ta femme. Non, tu crois que ça va faire plaisir à ma femme, toi? Des vieux locataires. Ouais, ça, c'est pas une raison. Si tu devais inviter les locataires de mes 5 immeubles, tu vois où ça te remenait. Écoutez, monsieur Coppenole, si ça vous ennuie, non, je viendrai non, pas. Madame, non, non, ce qui est dit est dit. Ce que j'ai dit à François, là, c'est façon de parler. Bah, plus on est de fous, plus on rit, ouais, hein, là, tu vas un peu fort, dis. Un dîner de fiançailles, c'est quand même pas une chance, partie. Hein. Bah, ce n'est pas un repas d'enterrement non plus, hein. Bon, allez, c'est un peu l'un et un peu l'autre. Et à qui tu as fait cette invitation? Ah, l'examen de madame. Il a promis de venir? Ah, il a dit qu'il venait si vous veniez. Oh, c'est tout de même gentil, nous. Vous voyez quand il le veut, il n'y a pas plus délicat que lui. Oui, et puis un bon gueuleton, on refuse pas ça. Hein. Tiens, de... Eh ben, c'est d'accord, monsieur Passement. Ce soir, nous serons des vôtres. Ah oui, mais comment il y a ça, va-t-il savoir que j'accepte? Ah, il a demandé que vous lui téléphoniez. Où ça? Eh ben, au local de sa société. Il a eu le toupet de demander ça. Oui, il l'a demandé. Ah, le mufle! Ah, le mufle! Le jour de notre séparation, vouloir me faire téléphoner au local de son club qui en est la cause! Oh! Vous voulez-vous que je téléphone? C'est pas la peine, je serai ma mère! Eh bien, alors vous pouvez téléphoner là quand le... Non, je téléphonerai à une cabine de la poste. Je serai plus à mon aise pour lui dire ce que je pense de sa façon d'agir. Messieurs, à plus tard! Eh ben, ça nous promet du plaisir pour ce soir! Que ces vont tout de même pas venir se disputer à table. Ils vont se gêner. Moi, je les ai vus quelquefois presque se battre sur le stand. Ah oui, mais là, ils voyaient le jeu. Eh bien, ce soir, ils pourront pas s'empêcher d'en parler. Crois-moi, tu ne peux pas t'imaginer ce qu'un supporter, ça peut être insupportable. Tiens, moi... Je connais une femme comme ça, hein, brave femme, tu sais, bonne ménagère. En temps ordinaire, elle n'est pas plus embêtante qu'une autre.
Mais quand son club favori a été battu, la maison n'est plus tenable. Tellement cri. Non, si elle criait, son mari s'est crié plus fort qu'elle, tu sais. Mais elle crie pas plus, elle pleure. Elle pleure surtout sur le déshonneur de l'équipe, sur l'injustice du sort, sur l'injustice de l'arbitre. Et quand son mari, qui est plutôt un homme jovial, hein, a le malheur d'une fois rigoler ou de chantonner, elle le traite de sang cœur, elle attrape une crise de nerfs. Alors le malheureux se promène chez lui avec des airs de croque-mort, et sa fille en fait autant. Hein. Mais tu veux que je te dise que ce mari-là, hein, c'est un pauvre sicolaire. Non, 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 justement, ça n'est pas un sicolaire. C'est même un homme énergique, intelligent, autoritaire et tout. Seulement, il a horreur des drames. Alors, il ne veut pas que pour des histoires de football, son ménage vole en l'air. Et je connais, moi, ce ménage. Non, non. Non, 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 non. Ce sont des relations à ma femme. Mais enfin, qu'il ait dit qu'il y a quand même eu d'aller inviter ce couple découplé, maintenant. Croyez que vous étiez des intimes, moi. Ça, jamais, mon cher. Jamais d'intimité avec les locataires. Ils en profitent tout de suite pour demander une diminution de loyer ou des réparations locatives. Mais moi, je me demande comment ma femme va prendre cette invitation. Hein. Enfin, Auguste, c'est tout de même des personnes fréquentables. Lui, oui, lui, je ne dis pas un sous-directeur au ministère, mais elle... As-tu quelque chose à dire sur Madame Violette? Oui. Tu penses bien qu'elle va pas venir faire ses fredaines là-haut chez moi, hein? Voilà, 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 voilà comment on fait une réputation, une personne honnête, Madame Violette est une personne convenable. Tout le monde lui trouve plutôt un mauvais genre. Tout le monde, ça veut dire ta femme. Ma femme. Oui, c'est parce qu'elle est jalouse qu'elle ne sait pas attraper son chic parisien. Hé, François, je te prie de laisser ma femme en dehors de tout ça. Mais tu parles bien sûr, Madame Violette. Mais ma femme, c'est ma femme. Cette personne ne fait pas partie de la famille. Elle ne fait pas partie de la famille. Et heureusement. Et pourquoi heureusement? Tu te vois ou tu me vois ou tu vois ton fils sortir avec une femme qui a du violet sur les ongles, du rouge aux lèvres, du noir autour des yeux. Du noir, du rouge et du violet n'a jamais empêché une femme d'être honnête. Non, on dit ça. Et la preuve, c'est que Madame Violette a été à trois voix d'être nommée Miss Wallonie. Ça, tu savais pas, hein? Si, ça, je savais. Ah, tu savais ça? Et tu sais pourquoi elle n'a pas été nommée? Ça, tu sais pas, hein? Parce que le jury voulait avec elle, hein? Tu me comprends, hein? Eh bien, si Madame Violette était une poule comme tu le penses, eh bien, elles auraient eu ces trois voix qu'elle avait de trop court. Et des autres, et des autres, et des autres, et des autres, pas mais dites un peu, qu'est-ce que tu as comme ça tout d'un coup à prendre la défense de ma locataire? C'est que j'ai horreur de l'injustice. Es-tu injuste avec cette personne? Déjà eu le malheur de perdre son ami, qui va se trouver seul dans la vie, sans soutien, peut-être sans moyen d'existence. Non, là tu te trompes. Madame Violette a de quoi? Elle a de quoi? C'est bon à savoir. Dites un peu, est-ce que tu aurais des idées sur Madame Violette? Hein, si j'en aurais, Auguste. Allez. J'ai tout de même bien le droit de me remarier. Je te dis pas le contraire, moi. Ben, si je suis resté veuve, c'est pour pas donner une seconde mère à mon Joseph. Mais maintenant qu'il va se marier, j'ai tout de même bien le droit de penser à plat, moi, non? Mais tu as tous les droits. Marie-toi si tu veux, mais pas avec cette poupée là, hein. Ça n'est pas une femme pour toi. Bah, c'est une femme pour qui alors? Pour personne d'abord, mais surtout pas pour toi. Prends une bonne ménagère, une femme de ton âge. Eh ben merci. Oui, une bonne commerçante qui fera marcher tes affaires. Bon, prends pas une femme pour faire marcher tes affaires, hein. Allez, Tu penses encore à autre chose, toi? Sans doute.
comme ça, un tout petit peu. Toi pas? Moi? Avec Léontine, rends-toi compte. Eh bien, moi, je ne veux pas commenter comme toi, tu finis, Auguste. Non, toi, tu préfères avoir une femme qui te soit corpus. Auguste, ça ne peut pas se dire entre amis. Entre amis comme nous, on a le droit de tout se dire. Et puis, encore autre chose. Moi, j'estime que dans un ménage, c'est le mari qui doit être le maître. Ah ben, ça a toujours été comme ça avec mon défunt. Eh ben, ça ne serait pas comme ça avec une madame Violette. Avec elle, tu peux toujours essayer d'avoir le dernier mot et même l'avant-dernier mot. C'est pas comme moi, avec Léontine. Je sais, devant les gens, elle a comme ça quelquefois un peu l'air de parler contre, mais entre quatre yeux, tout ce que je dis est parole d'évangile. Je suis le maître, chez moi. Le maître absolu, comme Hitler était en Allemagne. Et Mussolini en Italie. Et quand moi j'ai dit je veux, ma femme pas un mot devant toi. Alors, j'ai compris. Hitler. Monsieur Bosemans, j'ai le chagrin de ne pas pouvoir te faire de compliments sur l'arrangement de tes vitrines. Tu devrais une fois aller voir les étalages des grands magasins du boulevard et de la rue Neuve pour te rendre compte. Mais ce n'est pas la même clientèle, Léontine. Mais ça, tu devrais essayer d'avoir la même clientèle, enfin. Quand notre pauvre, chère petite Georgette sera devenue la femme de ton fils, elle se chargera de moderniser tout ça. N'est-ce pas, enfant? Oui, mais... Et on verra ça. Alors, mes locataires sont venus? Ah oui, c'est même que je les... Oui, même qu'ils sont venus pour choisir du papier d'ameublement. C'est pour ça que je les avais envoyés. Hein? Tu as pensé à ma commission? Ça est sûr, ça l'est honteux que j'ai pensé. C'est bon. Georgette. Donne une baisse à ton futur beau-père. Oui, maman. Bonjour, monsieur Bosemans. Il me semblait bien que je vous entendais. Je peux aussi une fois. Non, non, quand ton père et monsieur Campenol auront échangé leurs paroles et fixé la date de mariage. Mais c'est comme si c'était fait, Léontine. Oh, mais ce qui est comme si c'était fait, ça n'est pas encore fait. Ça, ma femme a raison, mon cher. Les convenances, c'est les convenances. Oui, avec toi, Léontine a toujours raison. Léontine a toujours raison. Léontine a raison quand elle a raison. Parce que si elle n'avait pas raison... Mais comme ça n'arrive jamais. Tu veux un petit martini? Mussolini? Tu vois quelque chose? Mais non, ça va pas faire du tort à ton estomac. Oh, si on devait toujours regarder à ça, une femme, ça est quand même née pour souffrir, inversée seulement. Oui, oui, j'y pense tout à coup. Père, tu ne m'avais pas dit qu'on devait acheter une tarte pour mais le dessert. Mais Charlotte ira jusqu'à... Pas la peine, elle a fait dans sa cuisine. Allez, moi, j'irai. Et Georgette viendra avec pour choisir. Oui, mais restez pas trop longtemps dehors. Est-ce que vous avez une préférence en tarte, madame Léontine? Oh, si on devait regarder à ça, les préférences d'une femme de mon âge, est-ce qu'on doit regarder à ça? Prenez seulement ce que vous aimez le mieux. Seulement, je vous préviens, si c'est pas un mocha, j'en mange pas. Entendu, on vous rapportera un mocha. Même sur d'affaires, toutes les pâtisseries de la ville. Oh, ça est encore une fois un prétexte pour rester trois quarts d'heure partie. Cette jeunesse. C'est tout de même un beau couplet. Ma Georgette, ça est une perle. Je vais la perdre, cette perle. Oui, mais mon Joseph a aussi beaucoup de qualité. Ça, bien entendu. Si c'était pas comme ça, je lui donnerais pas ma fille. C'est un fort guerrier. On voit qu'il a fait du sport, hein. Et pourquoi qu'il en fait plus, donc? Ah, vous trouvez aussi qu'il a eu tort d'abandonner le football? Oh, certainement. Et pourtant, c'est toi qui m'as fait quitter mon équipe quand on s'est marié. Oui, oui, seulement malheureusement, tu jouais comme une pantoufle. Oui, oui, j'en avais honte et peine pour toi. J'en pleurais en secret. Tandis que mon Joseph, il a des qualités. Oui, ben raison de plus pour qu'il s'y remette. Oh, il y a de la belle-mère d'un joueur célèbre qui a son portrait dans les journaux. Qui est déjà la patronne d'un as qui a son portrait dans les journaux. Mais lui, il fait pas partie de la famille. Tiens, un vilain comme ça. Oh, sans ça, et ton avis, tu me permettras d'avoir le mien, j'espère. À propos de football, monsieur, je voulais vous dire si que vous ça. Vous voulez préparer le civet, il est temps, vous savez. J'arrive, Charlotte, j'arrive. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je vous le dirai tout à l'heure pendant le repas. Ce sera une surprise. Et je crois que ça va faire plaisir à Léontine. Allez, si vous avez soif, ne vous gênez pas à la bouteille, là, hein.
Ben, moi, je vais faire inscrire Joseph au Derry. Ouais, toi, tu deviendras encore folle avec ton Derry. Oh, c'est ce que ça est une façon de me parler. Ben, tu m'as bien traité de pantoufle devant François, là. Ça n'est malheureusement pas vrai, ça. De... Enfin, j'ai tout de même été un centre avant réputé. Est-ce que je n'ai pas disputé des matchs en division d'honneur? Oh, oui, bien sûr, tu les as peut-être disputés, seulement malheureusement, tu les as toujours perdus. Tu ne devrais pas oublier. Oh, et toi, Auguste, tu ne devrais pas oublier que je t'ai épousé contre mon goût. Ça, j'aurais difficile de l'oublier, tu le rappelles deux fois par semaine. Mais la vérité, petite... J'aurais mieux fait de la dire avant notre mariage. Mon père me l'avait défendu. Moi, j'étais d'une génération où les enfants, ils obéissaient encore à leurs parents. Trop, malheureusement, beaucoup trop. Oui, oui, si j'avais osé écouter mon cœur. Oui, je sais. Tu aurais épousé un Hercule de la foire du midi. Oh. Mais faut pas parler comme ça, Auguste. D'abord, quand j'ai fait la connaissance de ce garçon, il était gardien de but au Dering, comme il bouchait. Il est monté sur la baraque plus tard, après notre mariage. Oui, ça fait Hercule par chagrin d'amour. Oh, ce pansement, c'est tout de même sans gêne, à nous laisser comme ça, tout seul ici à deux. Bien sûr, il doit s'occuper de son lièvre. Mais qu'est-ce qu'il a besoin de faire, ça? Ah, ah, si ça l'amuse. Oui, eh ben, s'il avait envie que ça de s'amuser, au lieu de jouer cuisinière, il aurait mieux fait d'inviter deux ou trois personnes pour mettre un petit peu d'entrain. Parce que les deux enfants, vous deux et moi, ça va être mortel. Hein? Eh ben, justement, il l'a fait. Comment il a osé inviter des gens sans me consulter? C'est tout de même lui qui offre le souper, hein? Oui, mais c'est ma fille qu'on marie. Mais c'est tout de même avec son fils. Oui, et quelles sont les personnes qu'il a invitées comme ça derrière mon dos? Eh ben ça, je te le donne en mille. Oui, oui, tu sais que je suis pas forte sur le... Monsieur Eliassin et Madame Violette. Bon, ça est une zoise! C'est comme je te dis. Mais le faux ménage, il est brouillé depuis ce... Pas brouillé, séparé seulement, à l'amiable. Oh, oui, mais ça se fait pas, hein? Ça est contraire au convenant. C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre à Bosmans. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Qui croyait te faire plaisir en les invitant? Oui, oh, mais ça est juste le contraire. Oui, ben tu sais quoi? Va le dire, toi, à votre... Moi? Oui, que qu'ils disent à Violette que c'est une erreur, que c'est remis, qu'il l'invitera une autre fois. Oui, oui, mais Madame Violette sera peut-être vexée, et alors elle sera fâchée contre Monsieur Bossemans. Ah, eh ben, c'est ce qu'il faut! Très bien, très bien. C'est ce qu'il faut. Ben, c'est ce qu'il faut pas, parce que sur Madame Violette, elle est fâchée sur Monsieur Bossemans. Elle va peut-être aller commander son papier d'ameublement ailleurs, et moi, je vais perdre ma commission. Il s'agit bien de ta commission. De quoi est-ce qu'il s'agit, alors? C'est que Madame Violette est une aventurière, une espèce de femme fatale. Oui, comme ces femmes là qu'on voit sur le cinéma. Elle vient de perdre son ami sérieux. Il faut qu'elle en trouve un autre. Oui, sans savoir de soi. Notre ami Bossemans a des picaillons. Oui, 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 tu y es? Tu crois que Bossemans se laisserait entortiller? Oui, mais c'est-à-dire que si on s'en mêle pas, cette aventurière est capable de se faire épouser par Bossemans. Oh. Tu vois notre Georgette avec une Madame Violette comme belle-mère? Oh, j'en attraperai une maladie de cœur, moi. Oh. Monsieur Bossemans, c'est pas là? Oui, il est dans sa cuisine. Et mon ex-ami? Elle n'est pas encore de retour. Tant mieux. Je préfère ne plus la rencontrer. Mais vous devez quand même souper avec elle et avec nous ici. Non, 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 je viens pour annoncer à Monsieur Bossemans que je dois, à mon grand regret, décliner son invitation. Et pourquoi donc? Il ne m'est plus possible de m'asseoir à la même table que cette personne. Mais savez-vous ce qu'elle a fait? À vous. Mais à moi et à vous, Monsieur Coppenole. À vous, Madame Coppenole. À tous les membres du supporter club ça du fait D. Et beaucoup de personnes à qui elle a fait quelque chose. Elle a profité de ma générosité. Car enfin, si je n'avais pas parlé de faire retapisser son appartement à mes frais, elle n'aurait jamais fait la connaissance de Monsieur Bossemans. Il y a des chances. Eh bien, elle en a profité pour faire inscrire votre ami et son fils à l'Union Saint-Gilloise, l'un comme membre bienfaiteur et l'autre comme membre actif. À l'Union? À l'Union. Mais ça n'est pas possible. J'ai toujours dit que ça n'était pas une personne fréquente. Hein? La foudre serait tombée devant mes pieds. Vous comprenez combien il m'est pénible d'entendre parler de la sorte d'une femme que j'ai tendrement aimée, que j'aime peut-être encore. Elle ne mérite pas ça. Je le crains également. Ceci est la goutte d'eau qui fait déborder la coupe. Adieu. Mais ça vous empêche pas de souper avec nous? Si, vous direz à M. Bossemans ce que je regrette et que jusqu'à présent, à part Madame Violette, je ne me suis jamais assis à la même table qu'un partisan de l'Union. Et ce n'est pas aujourd'hui que je commencerai. Adieu. Ce Bossemans ne doit pas se rendre compte de la gravité de sa décision. Tu vas le lui faire comprendre. Immédiatement. Alors tu vas aller le retrouver dans sa cuisine. Maintenant? Mais on ne peut pas parler de ça devant la servante. Hein. Oui. Allez, bon, j'ai compris, je vais aller le chercher. Mais... Je vais lui dire que tu as quelque chose de très urgent à lui communiquer. Oui, mais maintenant, il doit s'occuper de son lièvre. Oh, tu penses encore à ce lièvre quand il nous arrive une chose pareille? Un lièvre, oh, il t'est encore une fois un drôle de lapin. Ouais,
toujours à moi que ces histoires arrivent. Moi qui ai horreur des complications. Ben, qu'est-ce qui se passe, Léontine arrive comme une fois dans la cuisine. Elle dit que je dois venir te parler. Elle laisse même pas le temps de terminer ma phrase ici. François, tu es quand même un drôle, tu sais. Moi, je suis un drôle. Mais quelle... Et pour me ne tourne pas comme ça. Oui, mais si je tourne pas, je s'en tourne et je... mon roue est fichu. Ouais, j'agis bien de ton roue. Quelle idée tu as eue maintenant d'aller te faire inscrire et de faire inscrire ton fils à l'Union Saint-Gilloise? Oh, c'est pour ça que vous faites tant d'histoires? Combien de fois, Auguste, j'ai pas dit... Léontine et toi, vous m'avez dit, François, tu devrais tout de même une fois penser à te faire supporter. De notre club? De notre club à nous? Un club de supporters, c'est un club de supporters. Oh, tu crois ça? C'est comme si ton curé te demandait de venir au patronage et toi, tu vas te faire inscrire chez les francs-maçons. Il y a des curés et des francs-maçons dans cette société-là. C'est une image. Une image de quoi? Une image de l'antagonisme des deux types. L'antagonisme? Écoute, Auguste, moi, je comprends plus rien de tout. Le dire et l'union, c'est comme si tu disais l'eau et le feu. Oh. Au lieu d'aller me jeter dans l'eau, j'ai été me jeter dans le feu. Voilà, là, tu vas arranger ça, hein? Tu vas donner ta démission tout de suite à ton fils aussi. Il n'y a rien de signé. Oh, il n'y a rien de fait. Oh, ben alors, c'est une fausse alerte. Une fausse alerte qui a fait tourner ma sens ici. Ah, monsieur Boss, Mathieu, l'excellente nouvelle à vous annoncer. Ah, j'ai réussi à diriger les deux parrains qui vont vous présenter au club de supporters de l'Union. Vous appelez ça une bonne nouvelle? Oui. Ah, c'est une bonne nouvelle. Si on veut, enfin, ça prouve que madame Violette a des relations et qu'elle sait se débrouiller. Ah, ben ça, je vous crois. Et savez-vous qui veut vous parrainer? Monsieur Spinoche, le secrétaire du club, et le docteur Planace. Ah, Spinoche et Planace. Ça va aller comme sur des roulettes. Ben justement, ça ne doit pas aller comme sur des roulettes. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire que... Quoi? Est-ce que tu lui dis oui ou non? Mais je fais que ça! Mais non, tu es là que tu l'empines, tu l'empines! Moi, je l'empine! C'est que j'ai des raisons de l'embiner! Hein, des choses qu'on doit annoncer en fait de déménagement! Monsieur Bosman, si vous n'avez pas l'intention, j'espère, de retirer votre parole! Ça, non! Comment ça, non? Ben... on pourrait peut-être mettre mon adhésion plus tard. Ni aujourd'hui, ni plus tard, ni jamais. Ah, j'y suis, c'est M. Coppenole qui ne veut pas que vous fassiez partie de mon club. Mais c'est surtout mon 50% qui ne veut pas. Et vous voulez laisser faire la loi par Mme Coppenole? Ah non, ça, je me laisserai faire la loi par personne. Ah, ben on ne dirait pas. Je savais déjà qu'elle menait son mari par le bout du nez. Ouais, ma femme me mène par le bout. Mais je ne savais pas, M. Bosman, qu'elle pouvait faire la même chose avec un homme comme vous. En fait, c'est tout de même un peu fort. Oui, ça, c'est tout de même un peu fort. Hein. Et vous n'êtes pas encore parent, alors sachez maintenant ce qui va se passer. Le jour où elle sera la belle-mère de votre fils. Oui, ça, je vous le demande aussi. Oui, madame, je vous prie de vous mêler de ce qui vous regarde. Moi qui croyais un homme, monsieur Bosman, ça est vrai. Digne d'inspirer l'admiration, l'amitié, et peut-être plus encore. Non, mais regardez-le. Si c'est pas honteux. Donc, s'il n'y a pas de honte, inspirer de l'admiration et encore plus que ça. Ah oui, mais vous n'inspirez plus quand vous obéissez à Mme Coppenole. Il ne s'agit pas d'obéir à qui que ce soit. Il s'agit que François m'a promis. À moi aussi, monsieur Bosman, ça promis. Attendez, encore peut-être moyen d'arranger les affaires. Ah, et quel moyen? Allez, si je me faisais inscrire comme supporter à l'Union et supporter au Derrick. Oui, maintenant, tu deviens complètement fou. Moi, je suis fou. Est-ce que tu te rends compte de la façon dont tu te conduis? Moi, je me conduis d'une façon ridicule. C'est ridicule? Ridicule et grotesque. Oh, vous voulez dire des choses comme ça? Oh non, ça, je ne me laisserai pas dire des choses comme ça. Je ne sais pas si ma femme me mène par le bout du nez. Tout le monde le sait. Oui, tout le monde. Mais je constate que cette créature vous fait déjà danser comme un poussinelle ici. Poussinelle? Ça, c'est un mot de trop. Non, et il n'ose plus pas des créatures. Et ça aussi, c'est un mot de trop. Vous lui traitez de créature de mes clients dans mon magasin? Mais ce n'est pas une madame Coppenole qui viendra faire la loi ici. Bravo, bien parlé, ça. Pourquoi est-ce qu'on prie mon nom comme François ça? François refuse de donner sa démission à l'Union. Ça, je voudrais bien voir. Non, mais vous entendez comment elle vous parle? Oh, j'ai compris, c'est madame Violette qui le lui défend. Personne ici n'a rien à me défendre. Mais personne n'a rien à me commander non plus.
Vous avez compris, Madame Coppenole? Oui ou non? Allez-vous lâcher l'union? Si ça me plaît. Tu veux dire si ça plaît à Madame Violette? Ça, c'est encore mon affaire. Jamais je donnerai ma fille au fils d'un supporter de l'union. Alors pourquoi voulez-vous que ton supporter donne son fils à la fille d'un supporter du DRI? Oui, oui, ah. Pourquoi? Pourquoi? Son union vous vient à votre DRI. Ah. Oh, plus, tu entends ce qu'il a dit? Vous n'allez pas comparer l'union avec le DRI? N'empêche que pendant des années, c'est toujours l'union qui a battu le DRI. Ah, ah, la battue, la battue. Ça n'empêche que depuis quelque temps, c'est toujours le Daring qui tape sur la grosse tête de votre union, hein? Maintenant, c'est changé! Ah oui, mais ça ne durera pas! L'union prendra sa revanche! Hé, hey, comment? Ça ne durera pas! Mais qu'est-ce que vous croyez, non? Vous croyez que moi, je vais aller me faire membre d'honneur d'une société qui ramasse toujours sur sa grosse tête? Mais pour qui que vous me prenez, non? Pour qui est-ce que je vous prends? Pour un pauvre labcat. La porte, là. On va la prendre avec plaisir. Nous avons enfin trouvé un moka. Eh bien, monsieur Bossman, je peux le manger avec sa moka, son moka. Jamais je ne donnerai ma fille à un joueur de l'Union Saint-Gilloise. Jamais! Mais je ne fais pas partie de l'Union Saint-Gilloise, moi! Si tu en feras partie, tu deviendras un as! Et tu passeras le Daring à plein de couture! C'est ton père qui te le dit! Viens, Georges! Ah. Mais je veux pas, j'aime Joseph! Georges! Et je secoue sur le seuil la poussière de mon mépris. Contre Marlene Drown. Drown? Tu oublies que le Racing White joue sur son terrain. Mais Marlene a encore battu la Gantoise, sinon je passerais par trois, hein? Et pourtant, la Gantoise avec... Julien, oui, oui, mais la Gantoise, elle était démoralisée. Moi, je note Racing White gagnant. Eh ben, tu notes une André. Oh, oui. Nestor! Oui, patron. Alors, Nestor, à ton avis, Marlene contre Racing White. Bon, ça a couru d'avance. Oui, ça, je disais bien. Marlene gagnera. Ouais, perdra, tu veux dire. Non, un gagnera sûrement. Eh ben, qu'est-ce que je disais? Oui, 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 c'est bon, laissez-moi tranquille, hein. Je note Marlene gagnant. Eh ben, tu écoutes ton commis et tu n'écoutes pas ton mari. Oui, mais lui, il est de la partie. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve, ben, ça prouve que je m'y connais, tiens, patron. Ouais, tu veux une fois me dire combien de fois t'as déjà gagné cette année au pronostic? Oh, oui, ça, bien entendu, il n'a pas gagné une seule fois, moi non plus, du reste. Seulement, c'est pas sa faute à ce garçon. Quand les concours sont truqués. Ouais, les concours sont toujours truqués quand on n'est pas capable de pronostiquer, juste. Ah oui, et à ton avis, là, Nestor, Beringen contre Football Club Liégeois? Beringen Football Club? Attendez, je sais plus ce que j'ai aimé en mais laissez-le dire, hein! Beringen Football Club. Pour 7 francs de sel anglais. Une minute, madame Sapin. Mais c'est que je suis pressée, mes carbonates sont sur le feu. Beringen gagnant, hein? Vous croyez? Je savais justement pas quoi mettre, tiens. Permettez, hein? Je vais l'inscrire, sans ça je pourrais l'oublier.
Beringen gagnant. Eh ben, ça n'est pas du tout mon avis. Ouais, mais toi, tu es toujours dans la vie contraire. Et qu'est-ce que vous pensez de Ostend, Antwerp? Ostend gagnant. Antwerp gagnant. Ostend. Faites-vous une idée avec ça? Qu'est-ce que ça sent ici? Ah, c'est peut-être le boost drink et le herf que j'ai dans mon cabasse. Non, c'est plutôt une odeur de... Qu'est-ce que vous pensez de la gantoise? Dites, si je vous donne tous mes tuyaux, moi je me fais du tort, t'sais. Moi je vous dis que ça sent le brûlé. Oui, oui, mange pas que j'ai oublié, Georgette. Mange pas qu'il est en train de brûler. Oui, 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 oui. Avec ces histoires de pronostics, on sait plus ce qu'on fait. C'est pourtant vrai, on finirait par devenir Dium Dium. Des brûles. C'est des brûles de scier, c'est pour la gorge. Non, merci. Dites-le. Occupez-vous de madame, elle a ses carbonates sur le feu. Il ne s'agirait pas qu'elle brûle, hein? Qu'est-ce que j'en attraperais de mon homme? Il est déjà si énervé à cause de la rencontre de demain. Oh, oui, notre Dering qui marche contre l'union. Ça, ça va être quelque chose. Vous êtes sûr de gagner? Tiens, oh, pas si sûr que ça. Oh, mais pas trop, on est pas. Mais tu devrais avoir honte de douter de la victoire, toi, le trésorier du supporter club du Dering. On peut être supporter du Dering et rendre justice à l'union. Mon homme dit que l'équipe de l'union n'existe pas. Eh ben, ça prouve que votre homme n'y connaît rien du tout. Ouais, ouais, mais l'équipe de l'Union n'est pas dédaignée cette saison, hein. Seulement, elle a un point faible. Ouais, son gardien de but, d'accord. Mais heureusement que le D-ring, il a un os, hein, dit. Moi. Attention, tu vas te faire mal, toi. Ouais, mais tout le monde est d'accord sur la valeur de notre commune. Mais c'est sûr, ça. Une boule? Que des boules de ségus, c'est pour la Corse. On dirait que tu souhaites la défaite du D-Ring. Mais oui, on le dirait, hein. Une boule. Cette boule de ségus, c'est pour la Corse. Que monsieur le souhaite ou non, hein, demain nous serons victorieux. Demain, moi, je serai porté en triomphe sur les épaules de mes supporters. Ce qui peut m'agacer, celui-là. Votre mère doit être fière de vous. Meilleure de quoi, dit? Et sa bonne amie, donc. Il en a pas. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Mais il me l'a dit, n'est-ce pas, Nestor? Tu n'en es pas. À votre âge? Un sportman doit savoir se priver. Seulement, il aime en secret une jeune fille très bien. N'est-ce pas, Nestor? Oui, madame. Ça n'est plus un secret puisque tu le sais, toi. Mais ça est encore un secret pour la jeune fille, hein? N'est-ce pas, Nestor? Oh oui, madame. Oui, oui, mes carbonates. Occupez-vous de madame. Voilà une heure que je vous le dis. Au lieu de nous barber avec vos histoires d'amour. Qu'est-ce qu'il vous faut encore, vous? Du bleu de Prusse? Mais non, du sel anglais. Je savais bien que c'était un article étranger. Bon, là, tiens. Voilà, madame Chapeau. Je m'appelle pas comme ça, hein? C'est les crapuleux de Mastroche qui m'ont donné ce surnom. Parce que je suis trop distingué pour sortir en cheveux. Je m'appelle Amélie van den Heijden. Ben alors, on peut aussi bien s'appeler Chapeau qu'Amélie van den Heijden, hein? Oui, c'est sûr. Allez, à plus tard, hein? Oui, oui, j'allais oublier mes pronostics. Il n'y aurait plus manqué que ça. Allez, au revoir, hein? Nestor! Oui, patron. Mettez la pancarte, il est l'heure. Oh oui, patron. Léontine, je vous demanderai une autre fois de ne plus vous occuper des histoires d'amour de notre commis. Hein. Si je m'occupe de ces histoires, c'est que j'ai mes raisons. Nestor aime notre Georgette. Il a osé te dire ça? Il me l'a fait comprendre. Il a ce toupet. Pourquoi de toupet? Nestor est un excellent parti, ses parents ont du bien. Oui, ben ce garçon ne me plaît pas. Bon, c'est pas toi qui devras l'épouser. Hein? Allez, est-ce que tu t'imagines qu'il pourrait plaire à notre Georgette? Pourquoi qu'il lui plairait pas donc? Mais parce que tu sais bien qu'elle en aime un autre. Oh, ça lui passera. Qu'est-ce que tu en sais? Oh, mais je parle d'expérience,
Ça n'a aucun rapport, ça. Tout le monde ne peut pas mourir d'amour pour un Hercule de la foire du Midi. Mais faut pas parler comme ça, Auguste. D'abord, mon Hercule, il était autrement beau que son petit marchand de papier peint. Je n'en sais rien, je me méfie. Oh. Oui, mais c'est pour ça que j'ai été péri comme un myosotis qui s'est flétri. Regardez le myosotis. Ah, tiens. Voilà M. Eliassin qui descend de son automobile. Il vient sûrement payer le loyer de Mme Violette. Oui, voilà, qui a de la bonté, le reste. Oui, il aurait mieux fait de ne pas la quitter. C'est à cause de ça que toutes ces histoires sont arrivées. Madame, monsieur, je viens pour... Oui, mon mari est déjà en train d'écrire la quittance, M. Eliassin. Voilà, le compte y est. Eh bien, voilà votre quittance, alors. Ben, vous la remettrez comme d'habitude à mon ancien ami. Et à propos, vous connaissez la nouvelle? Richard Lomers, le gardien de but de l'Union, s'est blessé à l'entraînement. Il pourra pas jouer demain. Qui est-ce qui le remplace? Ça, je vous le donne en mille. Joseph Bossemans. Lui? Oh! Tiens, mais il n'y a que 4 mois qu'il fait partie de l'Union. C'est bien pour ça qu'on a hésité à le sélectionner, mais il paraît que ce garçon a des qualités tellement extraordinaires. De qualités extraordinaires, oui, lui? Mais oui, et pourquoi pas? Bah, tant pis, c'est le ça. Il doit encore y avoir des Madame Violette là en dessous. Oh, oui, ça c'est bien possible. Oui, seulement, moi j'avais toujours eu le pressentiment que le fils Bossemans nous jouerait un jour à Saltour. Hein? Ah, Saltour. Et voilà l'individu que tu voulais donner à ta fille. Mais enfin, c'est tout de même pas un crime qu'il va commettre. Ça implique un crime. Ah, ça je suis assez de ta vie, Martin. Oui, Auguste, je dois te dire que tu n'as pas le véritable esprit d'un supporter du dérègne. Oui, oui. Georgette. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais maintenant te faire au courant des agissements de ce joli monsieur. Laissez cette fille tranquille avec ça. Mais pas du tout, je veux qu'elle sache. Peut-être que ça va la dégoûter de son amour pour ce petit Pouchenel, hein, Georgette? Tu sais, Merle Hochemont n'est plus mangeable. Il a un goût amer. Je me fiche pas mal du Hochemont. Hé, 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 non, mais moi pas. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Ouais, tu penses encore à ton manger quand il nous arrive des choses pareilles? Le fait est que c'est embêtant. Si le nouveau gardien de but est vraiment aussi bon qu'on le prétend. Oui, au lieu de gagner 4-0, on va peut-être seulement gagner 2-0. Ou même 2-1. Oui, 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 oui. Mais heureusement que nous avons Nestor. C'est pour m'apprendre ça que vous m'avez appelé? Non, fille, que c'est pas. Parce que... bon, c'est-tu qui fais partie de l'équipe de l'Union? Sur qui on compte pour mettre le Dering en difficulté sur ton ancien bon ami? Joseph? Oui, le fils Bossemans. Ah. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Eh oui, qu'est-ce que tu veux qu'elle en pense? Cet enfant ne s'occupe pas de sport. Mais ça, c'est pas de sport, mais d'une insulte personnelle. Allez, bon, elle a trouvé ça, madame. Ça, je suis assez de l'avis de madame. Oui, vous, monsieur Eliassin, je vous demanderai poliment de ne pas venir jeter du pétrole sur le feu ici. Moi, je pense que les Bossemans, ils ont surtout trouvé ça pour nous faire bisquer, hein? Mais bisquera bien qui bisquera le dernier. Eh oui. Oui, oui, oui. Qu'il trouvera bien un moyen pour les faire bisquer aussi. Le moyen, il est déjà tout trouvé. Demain, après notre victoire, car nous gagnerons quand même. Ah, nous gagnerons, ça. Je ferai annoncer les prochaines fiançailles de notre fille avec le triomphateur du D-Ring. Comme ça, les Bossemans verront qu'on n'a pas besoin d'eux pour marier notre enfant. Pardon, mère, qui entends-tu par le triomphateur du D-Ring? Ben, notre commune, Estor Van Ipperzeel. Il t'a demandé ma main? Oh, pas officiellement, mais ça est tout comme. Après que je lui avais demandé de me laisser tranquille. Toi? Je... Qu'est-ce que c'est? Il t'a fait des histoires? Si c'était seulement des histoires. Il y a encore autre chose. Chaque fois qu'il m'attrape dans un petit coin, il essaye de m'embrasser. Le salio. Mais qu'est-ce que ça est pour le bon motif? Je vais lui en donner, moi, du bon motif. Qu'est-ce que c'est? Venir embrasser ma fille dans les petits coins sous mon propre toit, attendez. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lui donner un de ces cigares. Un cigare à l'estor, un jour comme aujourd'hui, mais je te le défends bien. Mais c'est en effet très mauvais, enfin, 24 heures avant le match, ça peut influencer son moral. Oui, eh ben, je me fous de son moral. Oh, me fous. Hé, beau séducteur, descendez un peu dans votre échelle. Oui, oui, Auguste, je te défends de détériorer sa forme. Je me fous de sa forme. Est-ce que vous descendez? Où est-ce que je dois monter venir vous chercher? Qu'est-ce que vous dites, patron? Attends, vous dites, ben vous pensez pas comme ça sur cette échelle. Là, 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 catastrophe! Notre meilleur espoir qui s'est cassé la figure. Ça. J'ai enlevé sa chaussure. Ouais. Ah, putain! Ça fait mal. Non, ça fait du bien.
Il faudrait de la brocation, hein. C'est pas ça qui manque ici, Georgette va dans la réserve. Oui, père. Oh, une femme plus malheureuse que moi, ça n'existe pas. Il fallait encore bien que ça arrive chez moi par la fraude de mon mari. Mais qu'est-ce que les supporters vont penser quand ils vont apprendre ça? Non, je vais sans doute laisser monsieur embrasser ma fille dans les petits coins, sous prétexte que c'est le meilleur du dérive. Mais enfin, c'est pour ça que vous êtes fâché, patron. Tu trouves que c'est pas suffisant, peut-être? Mais enfin, je l'embrassais pour le bon motif. Et moi, je vous avais dit que j'en voulais pas de votre bon motif. Puisqu'elle vous avait dit qu'elle n'en voulait pas. Me frapper, j'ai des gens si mal. C'est bien, c'est en brocation. Oh, voilà, mais... Oh, oui, oui. Moi, je vais le frotter avec... Non, monsieur. On veut qu'il puisse jouer demain, hein. Il doit jouer demain. Sans toi, ça veut pas dire que je saurai. C'est froid, mais... Mignon est un meilleur gardien de but. Et nous sommes lui comme sans travail. Ouais, santé pour le dire. Oh, je te défends de rire. Je ne ris pas. Mais si tu rires dans un moment... Vous voulez me martyriser, moi? Oui, excusez-moi, je l'ai pas fait exprès. Manquerait plus que ça, dit. Oh, ce sont les Bossemans qui vont jubiler, hein? Mais ils l'emporteront pas au paradis, hein? Ils l'emporteront pas au paradis. Enfin! En attendant, c'est vous qui m'emportez en enfer! C'est pour me masser que vous faites ça à me massacrer! Moi qui voudrais mieux le conduire dans une clinique. Oui, en effet, peut-être avec des soins médicaux. Georgette, appelle un taxi! Il est ici, ma voiture dehors! Vous voulez bien vous occuper de lui? Bien entendu, voilà. Je ne vais pas abandonner l'âme de notre équipe à un pareil moment. Moi, je vais avec. Ah, oui, je n'aurai pas de repos avant de savoir si ce garçon il pourra jouer demain. Ça m'étonnerait, vous allez. Courage, Nestor. Console-toi en te disant que ce ne sont pas les Bossemans qui vont l'emporter, mais toi, moi. Ça étant dit, nous. J'aimerais encore mieux me faire religieuse. Enlevez, ne dis pas de bêtises. Je n'en dis pas. Faudra tout de même que tu songes à te marier un jour ou l'autre. Demain, si tu veux. Mais avec Joseph. Mais avec Joseph. Est-ce que tu sais seulement si ce garçon pense encore à toi? Oh, bien sûr que je le sais, il me répète tous les jours. Ah, tu le vois encore? Non, sans doute. Et quand est-ce que tu dois le voir? Il m'a demandé de lui téléphoner. Ah, tu lui téléphones? Souvent, quand je suis seule ici vers cette heure-ci. Et si c'est son père qui est à l'appareil? On s'en arrive jamais. Joseph s'arrange toujours pour prendre la communication. Ouais. Ben, tu sais quoi? Tu vas lui téléphoner. Mais pourquoi lui dire? De venir me voir immédiatement. Mais père, tu... Veux-tu faire ce que je te dis? Oui, père. Ta mère ne sera pas de retour avant une heure. On va être un peu tranquille ici. Allô, c'est toi, Joseph? Oh, ne raconte pas de bêtises, écoute-moi plutôt. Père veut que tu viennes à la maison le voir. Immédiatement. Tu as entendu? Oh non, ça je pense pas. Joseph demande si c'est pour l'engueuler. Non, au contraire, mais il le mériterait. Attends, je vais demander. Joseph demande si son père peut savoir que tu le fais venir. Je n'y vois pas d'inconvénient. Tu as entendu? Bon, à tout de suite, Joseph. Au revoir. Il dit qu'il sera là dans 5 minutes. Enfin, ça me dépasse. Voilà un garçon qui dit qu'il t'aime toujours. Plus que jamais. Qui veut t'épouser malgré tout. Mais bien sûr qu'il le veut. Plutôt que de ne pas m'épouser, il aimera encore plus. Mais lui se fera aussi religieuse. Faire le cœur de plaisanter. Mais enfin... Tellement comme il t'aime et connaissant ta mère comme il la connaît, quelle idée il a eu maintenant d'aller demain jouer contre le Derry? Il a tort, j'en conviens, mais c'est sûrement pas de sa faute. Non. Tu vas dire qu'on l'a fourré dans l'équipe de force, malgré lui. Oui, ou presque. On a dû insister, comme Joseph s'est pas refusé. Moi, je sais pas refusé. Et tu appelles ça un nom? C'est un homme à sa façon. Comme toi, père. T'as l'air de dire que je n'ai rien à dire chez moi. Mais au contraire, père, tu as beaucoup à dire. Seulement, c'est toujours mère qui a le dernier mot. Mais écoute un peu, Jean. Mais voyons, père. Si tu étais vraiment le maître à la maison, tu n'aurais pas besoin de l'absence de mère pour faire venir Joseph. Tu dirais à mère, je veux que notre fille épouse le fils Bossemans, qui joue ou qui joue pas avec l'union.
et tout sera dit. Tout sera dit. Bien sûr, mère aura une crise de larmes ou de crise de nerfs, mais elle finirait tout de même par se soumettre. Tu crois? Mais oui, seulement. Oh, voilà, les chaussettes. Monsieur Coppenholz. Monsieur Bosmans. Ma fille a l'air de dire que je n'ai rien à dire chez moi. Mon père. Eh bien, je vais vous prouver le contraire. Tu désires toujours épouser ma fille? Si je le désire, Ney. Je te l'avais bien dit, hein? Et ton père ne voit pas d'obstacle à ce mariage? Pas du tout. Eh bien, c'est entendu. Ce soir, j'annonce vos fiançailles à ma femme. Oh! Attendez. Il y a une condition. Laquelle? C'est que tu ne joues pas demain contre le déroulé. Mais père! Allô? Monsieur Coppenholz, ça je peux pas vous le promettre. Tu refuses? Tu préfères ton club à ma fille? Eh bien, si c'est comme ça, mon garçon. C'est pas comme ça, monsieur Coppenholz. Georgette est ce que j'ai de plus cher au monde. Je l'aime plus que mon père. Et Dieu sait pourtant si je l'aime, celui-là. Mais alors, je ne comprends pas. Il me semblait que vous aussi, jadis, vous avez fait partie d'une équipe de football. Ça, il y a tellement longtemps. Longtemps, non? Vous devez encore vous souvenir ce que c'est que l'honneur sportif. L'honneur, ça je sais. Et vous ne me comprenez plus. Voyons, monsieur Coppenholz, le capitaine de l'équipe m'a fait l'honneur, pour la première fois que je joue sous ses ordres, de me confier un poste de confiance. Les camarades comptent sur moi pour défendre les chances de l'Union. Si maintenant je l'ai plaqué au dernier moment, si je trahissais cette confiance pour quelque raison que ce soit, allez, je commettrais une action basse, vilaine, honteuse. J'aurais l'impression de déserter comme un soldat. Comme un soldat qui abandonne ses camarades au moment du danger. Vous ne pouvez pas me demander de faire ça, monsieur Coppenholz, et je suis sûr que Georgette m'approuve de ne pas le faire. Oh oui, Joseph. Eh ben, pour quelqu'un qui ne sait pas refuser. Ça m'est toujours difficile, monsieur Coppenholz. Seulement quand l'honneur est en jeu. Mais pas de que ton bonheur aussi est en jeu. Mais il a d'autant plus de mérite de parler comme il le fait, père. Mais je le sais bien. Ce qu'il vient de dire, là, augmente encore l'estime que j'ai pour lui. Mais ça n'empêche que nous voilà dans des moments. Mon père, que peut-il bien venir faire ici? On va le savoir. Monsieur Coppenholz. Monsieur Bosmans. Monsieur Coppenholz. Si vous me voyez ici, c'est que je suis venu. Ça, je vois, monsieur Bosmans. Je suis venu en me disant que la place du fils, c'est aussi la place du père. C'est assez juste, ça, monsieur Bosmans. Si je peux considérer le coup de téléphone que vous avez donné à mon gamin comme un premier pas dans la direction de la conciliation. C'est-à-dire... Vous le pouvez, monsieur Bosmans, vous le pouvez. Il n'y a aucun inconvénient à ce que je fasse le second pas dans la même direction. Est-ce que ça veut dire que vous... Il est certain que c'est vous. Moi, je... Mais tutoyez-vous donc! Et serrez-vous la main! Puisque vous en brûlez d'envie! C'est vrai que vous... Tu! C'est vrai que tu brûles! Si tu brûles, je brûle! Eh ben, si tu brûles, moi, je brûle aussi! Oh! Oh, oh. Ça fait plaisir de se serrer la main! De se réconcilier! Pour un peu, ils en auraient la larme à l'œil. Ah, mais ma parole, Allez, un moment comme ça, ça s'arrose. Georgette va dans la cave chercher une bouteille. De la gueuse, père? Non, de la gueuse, non. Du bourgogne dans mon petit casier, là. Oui, père. Viens avec, Joseph, pour m'éclairer. Mais pour... pour l'éclairer à la flamme de leur amour. Bravo, comme vous.
secret dans ce monde. 4 mois, tu sais. 4 mois qu'on s'est boudé. Est-ce que tu sais comment je sentais le plus la tristesse de cette séparation? Le dimanche matin, l'heure de notre partie de cartes. Ça t'a manqué aussi? Tu sens, maman, tu me le demandes? Eh ben, tu sais quoi? Rendez-vous demain matin au petit café en face du stade. Allez, habituel! Le dernier est venu pas y la tournée. Ce sera pas moi! Ce sera pas moi non plus. Voilà la bouteille, père. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Mais, dites un peu, il me semble que vous êtes resté si longtemps dans cette cave. Ce n'est pas de notre faute. La bougie s'éteignait tout le temps. Hein. Mais père, c'est la faute de la bougie. Ah, c'est la bougie. Eh ben, passe-moi le tire-bouchon. Et c'est la faute à la bougie aussi que... Tu as du rouge sur ta joue, là. Ça, c'est pas possible. Je ne mets jamais rien sur mes lèvres. Oh, monsieur, pas comment on peut dire des choses. Eh ben, figure-toi. Tu vois comment on se fait attraper, là. Tiens, François, hey. Tu vas goûter ça, tiens. Hein? 30 ans de cave. Hein? Attention au goût de bouchon, alors. Tiens, c'est toi. Merci, père. Voilà, Joseph, c'est pour toi. Merci. Alors, à notre réconciliation. Oui, hein? Au futur mariage de nos enfants. Bien, j'espère, Auguste, que tu es d'accord avec moi pour les refiancer. Hein? Ouais, ça, bien sûr, moi je suis d'accord, mais... Il y a toujours ma femme. Ah oui, il y a ta femme. Elle n'est pas là? Mais non, elle est à la clinique. Hein. Ah oui, c'est juste... Vous savez, pas ça vous autres. Quoi? Mon commis s'est foulé le pied. Mais alors il ne pourra pas jouer demain? Mais alors le déring est dans les patates? Tout de suite dans les patates. Mais même sans l'accident survenu à votre centre avant, on était tout le monde sûr de gagner. Gagner, vous autres, là, tiens. Quoi? Oh, voyons, non, monsieur Copenhague, vous n'allez pas me raconter de football. Vous n'allez pas discuter football avec moi, hein? Depuis 30 ans que moi je suis tous les matchs. On peut les suivre pendant 300 heures et rien connaître. Ah bon? Ah, ça, c'est mon cas. Non, non, je dis pas que c'est ton cas, mais ta partialité, ta valeur. Monsieur Copenhague, je vais vous dire. Quelques belles disputes pour le football. C'était vraiment pas la peine de vous réconcilier, alors? Elle a raison, hein? C'est un bête. C'est idiot. Que ça nous serve de leçon, hein? Qu'il soit jamais plus question de sport entre nous. Plus jamais. C'est promis? C'est juré. Qu'est-ce que tu voulais dire, là, tout à l'heure? Moi, qu'est-ce que je voulais dire? Les rapports à Joseph, père. Ah oui, ah oui. J'aurais voulu que ton fils ne joue pas demain. Ah, à cause de ma femme, tu sais. Tu crois que ça peut se faire? Je crains que non. Enfin, il y a tout de même d'autres remplaçants dans votre équipe, là. Oui, mais pas de la même valeur, hein, que... C'est toi qui le dis, père. Tu sais, après tout, ils m'ont choisi parce qu'ils m'avaient sous la main. Et si t'étais arrivé un accident, comme un autre commis Vanny Furzé, tu pourrais pas jouer quand même? Ah oui, mais ça, c'est un cas de force majeure. Oui, mais ma femme, c'est aussi un cas de force. Pour nous, hein, mais pas pour le capitaine. C'est de lui que dépend ton remplacement? À tout prendre, oui. Qu'est-ce que c'est que ça pour un garçon? Ça, c'est un système, ça. N'ai jamais rencontré un garçon si serviable, si aimable. En vrai, c'est parce qu'il faut... Tu sais où le trouver? Dans son magasin. Il tient une librairie tout près d'ici. Allons-y. Pourquoi faire? Lui expliquer ton cas. Si c'est vraiment le brave garçon que tu dis, il pourra pas faire autrement que de nous sortir du pétrin. Mais nous ne pouvons quand même pas lui demander de sacrifier les intérêts de son équipe. Mais qui lui demande de les sacrifier? Il connaît peut-être parmi les réserves un autre gardien de but tout aussi capable que toi. Oui, ça m'étonnerait, hein. Moi, papa, tu sais après tout, hein. Qui ne risque rien n'a rien. Joseph ne jouera pas, je m'en porte garante. C'est moi qui plaiderai notre cause auprès du capitaine. Et j'y mettrai tant de cœur que s'il a jamais aimé d'amour, il pourra pas faire autrement que de nous accorder ce qu'on lui demande. Allez, viens, Joseph, dépêchons-nous. Il s'agit de notre bonheur. À tout à l'heure. Allez, ouais. Tout à l'heure, mes enfants. Amour, amour, quand tu nous tiens. Oui, qu'est-ce que tu veux, mon cher? C'est de leur âge. C'est de tous les âges, hein, que ça... Ah, oui. Violette. C'est toi qui as pris la succession de M. Eliassin, là-haut. Hein? Allez, qu'est-ce que tu m'as déjà vu monter? J'ai dans le café. Tiens, ça, c'est malin. On n'est pas toujours obligé de livrer à domicile.
Auguste, 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 tu te méprends sur la nature de mes sentiments, tu sais. Ce que j'éprouve pour Violette, ce n'est pas une inclinaison passagère, c'est un amour élevé, sélectionné. Bien de rang. Ça, je le crois. D'ailleurs, tu connais mon expérience du beau sexe, hein, tu sais. Quoi? Allez, rappelle-toi pendant notre service militaire. Allez, combien de crottes que j'étais poussé. À moi? À toi et aux autres camarades. Eh bien, fort de cette expérience, Auguste, je t'assure que la chère créature m'adore. Elle te l'a dit? T'as pas besoin de le dire. Il y a des regards, il y a des soupirs, il y a des serrements de main qui ne trompent pas. Non. Avec Madame Violette, j'aurai le paradis sur terre. Écoute, François, tu dois pas m'en vouloir, tu sais, mais moi je n'arriverai pas à prendre cette histoire au sérieux. Ben, je t'en veux pas, mais et même, je te comprends, si j'étais à ta place, je parlerais comme tu le fais, Auguste, mais tu as beau me zoanzer, j'ai beau me raisonner, c'est comme si je chantais, Auguste. Tu connais le vieux dicton qui dit « On ne sait pas éteindre l'incendie d'une vieille grange qui brûle. » Eh ben, c'est mon cas, Auguste. Il y a là-dedans, mais une vieille grange qui brûle. Mais qui brûle, Auguste. Que tous les pompiers de Bruxelles avec leur sprout sont incapables de noyer l'incendie. Ah, mais c'est quoi ça? J'ai vu que M. Hyacinthe est passé par chez vous. Oui, madame, en effet, il m'a chargé de vous remettre ça. Merci. Comment, M. Bosman, vous ici? Comme vous voyez. Réconcilié? Complètement. Ah, voilà qui m'enchante. Décidément, c'est aujourd'hui la journée des grandes nouvelles. Ah, vous avez encore une autre? Oh, ben, la même que vous, voyons. La même que moi. Bah, et vous pensez si ça m'enchante? Ah, sinon, nous voilà gardiens de but de l'Union. Nous? Oui, enfin, votre fils. Je dis votre fils parce que, en somme, c'est moi qui l'ai fait désigner. Ah, c'est vous, madame Violette. Ah, vous vous en doutiez, oui. Non, pas du tout. Oh. J'en étais sûr. Merci, Violette. Je sens que ça va tourner mal ici. Vous pouvez en effet me remercier. Vous ne pouvez pas savoir le mal que cette nomination m'a donné. Tant que... Oh, incroyable. Tenez, la première fois, je vais citer le nom de votre fils. D'abord, on a poussé des hauts cris. Il manque d'expérience, il ne fait pas depuis assez longtemps partie du club. Et patati et patata. Et patati et patata. Mais quand Violette a quelque chose dans la tête... Elle ne l'a pas autre part. Oui, monsieur, en effet. Et comme d'autre part, je ne suis pas indifférente au capitaine de l'Union. Oui, ça, vous m'avez dit, il a un œil sur vous. Ah oui, mais il perd son temps. Oui, ça, je l'espère bien. Aussi, j'ai dit au capitaine, si vous voulez que je vous voie d'un œil plus favorable, il faut qu'à la première occasion, vous preniez le fils Bosman dans votre équipe. Et voilà, ça y est. Ça y est. Oh, comme vous le faites être heureux. Ah oui, ça va être heureux. Et c'est encore bien auprès du bonheur, de la fierté que vous connaîtrez demain. Demain? Quand vous assisterez à mes côtés au triomphe de votre fils, de mon poulain. Tiens, il prend ton fils pour un petit cheval. Mais c'est une expression usuelle, voyons. Ça signifie en somme que c'est moi qui l'ai lancé dans l'arène. Oh, quel dimanche ça va être. Tenez, je nous vois déjà tous follement acclamés, portés en triomphe. Joseph parce qu'il aura été l'âme de l'Union, vous parce que vous êtes son père. Et moi, parce que vous avez lancé le petit cheval dans la reine. Exactement. Ah, ça, je ne donnerai pas la journée de demain pour tout l'or du monde. Ok, ça, Pascal vient de dire, il n'y a rien de fait. Non, elle m'en voudrait pour le reste de ta vie. Et le bonheur de mais le bonheur de mon fils, c'est moi. Comment on faisait des pronostics pour demain. Oh, mais l'Union gagnant, voyons. Et je parie que notre poulain, il sera pour beaucoup. Tant pis pour votre daring, M. Coppenole. Pardon, vous permettez? Oui. Allô? Ah, c'est toi. C'est ton fils. Dis-lui qu'il n'y a rien de fait, hein. Tais-toi. Oui? Ah, bravo. Bravo. Il dit que le capitaine va arranger l'affaire. Dis-lui qu'il ne doit rien arranger du tout. Et celui d'Union? Non, le capitaine de la gendarmerie. La gendarmerie? Oui, ben, allez, donne-moi l'appareil, Auguste, moi je vais lui parler, je vais tout dire. Trop tard, il a raccroché. C'est épouvantable, ça, Auguste. Oui, c'est épouvantable. Qu'est-ce qui est épouvantable? Dis comment j'arrange le bidon. Comment?
Coppenole dit qu'il a rangé le bidon. Oui, quel bidon? Le capitaine, il vient de confirmer la triste nouvelle. Elle n'en a plus que pour 24 heures à vivre. Elle n'a plus que 84 heures. 24. Mais qui n'en a plus pour 24 heures à vivre? Ta tante, sa tante. Vous avez encore une tante? Si j'ai encore une tante? Ah oui, je vous ai jamais parlé de Madame Bidon. Ma tante. Ah, vous avez une tante Bidon. Oui. Elle doit être très âgée. Ben, elle a plus que ça. Oui, mais ça tombe à un mauvais moment, hein. Oui. Ça ne peut pas tomber à un plus mauvais moment que ça. Et quelle maladie a-t-elle? Ah, ben... La rougeole. Une maladie infantile, ça. Elle était tombée en enfance. Alors, quand on est tombé en enfance... Mon père a attrapé la maladie infantile. Oh, nature. Oui, mais elle était peut-être un petit peu tombée en enfance, mais ça ne l'a pas empêché de garder toute sa lucidité, hein. Elle a tout gardé. Elle n'a jamais rien voulu donner. Votre tante est un phénomène. Oh, je n'ai jamais vu une tante aussi phénoménale. Et encore, si ça n'était que sa tante. Ah, si ça n'était que ma... Qu'est-ce que c'est? La marraine de ton fils. C'est la marraine de son fils. Oui, alors cette vieille personne veut absolument revoir son filleul avant de passer l'arme à gauche. Ah, j'y suis. Comment? J'y suis, dira-t-il. Quand il arrivera près de sa tante, alors sa vieille tante le regardera comme ça. Elle sera contente et elle pourra mourir tranquille. C'est touchant. Oui, mais malheureusement, cette tante n'habite pas Bruxelles. Non, non. Elle n'a jamais rien voulu savoir de Bruxelles. Et où habite-t-elle? Où allumé? Saint-Lambert, ici. Non, où est lui, Saint-Laurent? Oui. Au-dessus d'Arlon. Oui, au-dessus d'Arlon. Vous connaissez pas tout ce patelin, moi. Ah, mais c'est tellement loin qu'on le met même plus sur la carte. Alors, il faut que Joseph parte encore ce soir. Mais il ne sera pas de retour avant après-demain. Hein. Pas avant. Ah oui, mais ça, ce n'est pas possible. Il doit jouer demain. Ah, c'est oui, mais enfin... Ce garçon ne peut tout de même pas abandonner sa pauvre vieille tante mourante pour aller jouer au football. Oh, on ne peut pas abandonner sa mourante tante. Eh bien, allez-y à sa place. Que moi? Ah, c'est votre parente à vous aussi, non? Ah oui, ah, oui, mais ils sont en froid. Oui, oh là, un froid glacial. Et c'est justement la visite de Joseph qui doit servir à faire fondre ce glace. Exactement. Et sauver l'héritage. L'héritage? Oui, ça c'est moi qui ai trouvé, hein, que ça. C'est la vieille qui a le sac. Oh, si elle en avait qu'un. Toute une collection. Elle a des sacs, elle ne sait plus quoi en faire avec. Ça y est, voilà. Alors, pensez bien que notre parente nous déshériterait, si elle devait lire dans les journaux, que son filleul a préféré jouer au football que d'assister à ce dernier moment. Hein. Comment pourrait-elle le lire puisqu'elle serait morte? Mais ça me semble difficile aussi. Et la catalepsie? Qu'est-ce que vous en faites? Ça, la catalepsie, ça arrive souvent chez les vieilles personnes qui ont la scarlatine. Je croyais qu'elle avait la rougeole. Oui, mais c'est la rougeole scarlatineuse. Et ça finit généralement par une crise de catalepsie. Voilà. Oui, mais enfin, elle irait tout de même pas en sortant de catalepsie se jeter sur les journaux sportifs. Cela, je se jetterait sur les résultats sportifs pour se raccrocher à la vie. Oh, notez que je comprends ça très bien. Enfin, dans tous les cas, si Joseph ne va pas là-bas demain, les millions te passeront sous le nez. Les millions? Là, tu vas un peu fort, hein, monsieur. Les millions qui reviendront à votre fils, monsieur Bottsman? Non, à François. Ah, à François, hein? À vous, alors? Oui, oui. À François, c'est moi. Ah oui, naturellement. Et si jamais... Mon ami a l'intention, je ne sais pas, ce qui peut arriver, l'intention de se remarier, par exemple. Oh, on ne sait jamais, n'est-ce pas, mon ami? La femme que vous distinguerez ne sera pas à plaindre. Elle sera d'autant moins à plaindre si elle trouve dans les coffres de mon ami quelques millions de plus. Ah oui, ça le fait que des millions.
La pauvre vieille tante. Oh, elle est si pauvre. Elle est si vieille. On ne peut pas faire ça, l'abandonner sans qu'elle revoie une dernière fois son filleul. Oh non, ce serait trop cruel. Ça serait inhumain. Oh. Ça, ce serait monstrueux. On ne peut pas faire ça, il faut que Joseph y aille. Oui, mais il y a le match. Ah oui, c'est vrai, ça d'un côté, il y a le match, mais de l'autre côté... Il y a les millions. Oh, non, c'est que je ne suis pas une femme intéressée, hein, puis de toute façon, cet argent, c'est pas moi qui en profiterai. Ah, sait-on jamais, mais... Enfin, de toute façon, c'est pas ce que je voulais dire. De l'autre côté, il y a... Il y a cette pauvre vieille tante. Eh bien, tant pis pour l'union, les devoirs de famille avant tout, il faut que Joseph soit remplacé. C'est déjà fait. Comment? Ça veut dire qu'il suffit que vous demandiez que ce soit fait pour que ce soit déjà comme si c'était fait. Oui, enfin, de toute façon, la première chose à faire, c'est de prévenir le capitaine. Je m'en cherche. Non, 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 c'est moi qui ai fait les signes de votre fils, c'est à moi à lui apprendre sa défection. J'y vais. Ah, monsieur François, vous résisterez aux obsèques, évidemment. C'est quels obsèques? Allez, madame. Eh bien, je vous accompagnerai, hein, pour vous réconforter. Non, non, non. Pourquoi ça? Non, non, ça ne se fait. Les femmes vont pas aux enterrements, là. Oui, à cet enterrement. Non, ça ne se fait. Non, ça ne se mais fait ça ne fait rien, vous enverrez une couronne. Oui, une belle couronne. Grande couronne. Oh, c'est bien ce que je craignais. Il aurait au moins pour une semaine. Oh, oui. Comment, monsieur Bossoman, c'est ici dans un moment pareil, mais ça est du défi. Madame, oui, et madame fait... Violette également, elle est venue aussi se réjouir du malheur qu'il nous fera. Oh non, madame, bien au contraire. Croyez bien que j'y prends une grande part, une part très profonde. Ça m'étonnerait. C'est pourtant comme ça. Je suis navrée de ce qui est arrivé à cette pauvre vieille tante. Lui, une tante? Ah non, vous voulez dire elle? Je vous prie de le mettre au masculin. Comment, la tante est un homme? Ça dépend. Oui, au cours de sa longue existence, elle ou lui, elle a changé de sexe. Qui est-ce qui a changé de sexe? Une vieille parente. Oui, de Folluet de Saint-Arnon. Ça fait beaucoup de ça, François Loinuet. Coucou, nous voici de retour. Et vous maintenant, monsieur Joseph Bossemans, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous dire un petit bonjour, puisque vous n'avez plus de raison de m'en vouloir. Et pourquoi que j'aurais plus de raison? Mais allez, on a encore quelque chose à faire. Une minute! Le temps d'annoncer la bonne nouvelle! Je ne jouerai pas contre le D-Ring. C'est impossible! Voilà, allez, allez, non, une minute! Le temps d'annoncer à madame Coppenel, qui m'a si mal reçue, que si Joseph se fait remplacer, c'est tout de même grâce à moi. À vous? Ah oui, parce que je savais que ça ferait plaisir à sa marraine. Oui, ça est tout de même vrai que je suis sa marraine. Comment ça? Mais il en a deux. Oui, oui, il y en a deux. Il y en a deux. On a fait que c'est une place qu'il y a dans la famille, non? Alors, je vais vous expliquer. Inutile, j'ai compris. Oui, moi pas, mais enfin, ça n'a pas d'importance. Hein. Ce qui compte, c'est que si le D-Ring est dans la difficulté, l'union y est également. Moi, je vais vite annoncer la bonne nouvelle au local des supporters. C'est ça qui va leur faire plaisir. Monsieur Bossman, j'ai à vous parler. Ce soir ou demain? Tout de suite ou plus jamais. Je vous écoute, madame. En cas d'yeux. Ça veut peut-être dire qu'on est de trop ici. Oui. Eh bien, puisque vous le demandez si gentiment, on va vous laisser. Allez par là, les enfants. Je n'y comprends rien. Moi non plus. François, te laisse pas faire. Hein. Montre que tu es un homme. C'est plus facile à dire qu'à faire, tu sais. Après ce qui vient de se passer, je serai en droit de vous dire... Monsieur Bossemans, tout est fini entre nous. Oh, Violette. Mais je ne le dirai pas. Merci, Violette. Et savez-vous pourquoi je ne le dirai pas? Non, Violette. Parce que vous êtes trop bon, trop faible. Le premier venu fait de vous ce qu'il veut. Oh, oh, pas toujours. Cette faiblesse est indigne de vous. Il faut montrer que vous êtes un homme. Ça vient encore de me le dire. Qui ça? Une voix intérieure. Et envers qui cette voix vous a-t-elle recommandé d'être un homme? Envers? Envers moi? Ah, envers ceux-là alors. Bien. C'est tout ce que je vous demande, si vous voulez que je vous conserve mon estime. Votre estime seulement? Vous voudriez plus? Beaucoup plus. Mon amitié? Encore plus. Mon amour en France? Oui, Violette. Je ne dis pas non. Alors si vous dites oui? Ça dépend de vous. De vous? Ah oui, il faut vous en montrer digne. Eh bien, montrez-moi comment l'affaire est dans le sac. Oh, Violette, si vous saviez... Depuis le jour où vous êtes entré dans mon magasin comme un rayon de soleil printanier pour commander des papiers d'ameublement que j'avais,
et de l'imitation de toile de Louis dont j'étais dépourvu. Une révolution s'est produite en moi. Moi qui n'avais jamais vécu que pour mon fils, que pour mon commerce, que pour mes amis. J'ai vu dans un éclat de tonnerre que ça ne suffisait pas à mon bonheur. Et que j'étais seul dans la vie. Et un homme seul. C'est comme un ministre sans portefeuille. C'est comme un escargot sans caracole. C'est quelque chose qui manque. Quelque chose. Et ce qui manque à l'homme, c'est la femme. La femme qui complète l'homme. Comme le sec, le sel, la provision. Ou alors la soupe n'est que de l'eau de vaisselle. Et le chèque un chiffon de papier. Et l'homme, un malheureux citron qui se fait voler par sa domestique. Et qui court avec des chaussettes dans ses trous. Et... Oh, mais c'est une déclaration d'amour que vous venez de me faire. Ça est sorti comme... Tout ça, je n'aurais jamais osé. Qu'est-ce que vous dites en bas de ça? Vous êtes exprimé de façon charmante. Vous êtes un poète. Oui, j'ai été poète dans ma jeunesse. Je faisais des vers avec des rimes, des pieds et tout. Oh, mais ça s'entend encore. Mais la réponse à ma demande. Vous m'avez demandé quelque chose? Oh, oui, Que je devienne Madame Bosman. Oui, Violette. Ça dépend d'une seule chose. Laquelle? De la façon dont votre fils jouera demain pour l'Union. Vous voulez que... Ah non, moi je ne veux rien du tout. C'est à vous de vouloir et de montrer que vous êtes un homme. Si Joseph refuse. Eh bien, laissez-lui le choix. Se brouiller avec son père ou jouer avec l'Union. Il choisira l'Union. Oh, Violette. Ah, n'oubliez pas que vous avez à vous faire pardonner la comédie honteuse que vous m'avez jouée tout à l'heure. Oui, ça c'est un peu vrai, ça. Et puis comment pourrais-je lier mon existence à un homme qui me refuserait la première chose que je lui demande? Vous avez raison, seulement... Alors? Joseph jouera. Merci, j'en attendais pas moins votre part. Je vous en donne pas compte. Et moi, Violette. Heureuse homme. Oh, Violette. Ça suffit pour aujourd'hui. Je comprends bien le capitaine qu'il ne doit pas chercher un autre gardien de but. À tout à l'heure au stade. Tiens, moi, toi. Oh, mon trésor. C'est Jamine. Je l'aime. Nous nous aimons. Oh, ça va être délicieux. Et alors? Madame Violette accepte de devenir ma femme. Oh! Et tu as réussi à l'amadouer avec ça? Et en échange, elle a bien voulu permettre que je ne joue pas demain. Ah non, je lui ai dit que tu jouerais. Mais voyons, monsieur Bosman! Ce n'est pas possible! Alors, inutile de revenir là. Si j'ai donné ma parole d'honneur. Mais moi, je n'ai pas donné la mienne! Tu préfères te brouiller avec ton père? Tu ferais ça, toi? Toi que j'ai connu le plus tendre? Le meilleur des papas? Je ne tiens pas plus que toi. Tu vas perdre Violette, que tu tiens à perdre Joseph. Mais il me perd s'il joue demain. Mais naturellement, ma femme va lui imposer un autre fiancé. Mais tu as assez homme pour lui tenir tête. Oh, 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 je te conseille de parler. Toi qui as si bien tenu tête à Violette. Bon, tiens tête à sa femme quand tu n'as pas tête à son ami. Mais une femme a le droit de s'occuper des histoires de famille et pas une future fiancée. Mais si tu cries tribord, c'est pour masquer ton manque de caractère. Et toi, le tien? Toi, tu n'es que le chef. Et toi, t'en es une autre. Voyons, papa, monsieur Topenol. Laisse-les, Joseph, ils ont raison tous les deux. Ce sont deux chiffres. Hein? Et le respect paternel, mademoiselle? Nous n'avons qu'à compter sur nous-mêmes pour assurer notre bonheur. Je crois que oui. Il n'y a qu'un moyen de tout arranger. Enlève-moi. Quoi? Mais il n'y a plus d'enfants. Petite malheureuse, là. Où est-ce que vous iriez, nous? À l'hôtel. Alors? Oh, ne crains rien, nous prendrons des chambres séparées. C'est encore bien gentil de m'en donner l'assurance. Mais où est-ce qu'elle a été trouvée, ça, donc? Au cinéma, ça se voit tous les jours dans les films américains. Hein? Oui, eh ben, on n'est pas à Hollywood, ici. Il y a jamais eu d'enlèvement dans la famille Coppola. Eh bien justement, ça fera d'autant plus d'effet à mer. Non, non et non, pas d'enlèvement.
Bah, il est certain que pour hanter un peu le mariage, il y avait un petit scandale. Oui, toi, tu vas t'en mettre chez toi. Il suffirait peut-être que nous nous embrassions devant Madame Coppenole. Oh, pour que ça impressionne Mère, il faudrait au moins qu'on s'embrasse en chemise. Pour le moins, oui. Au cinéma aussi, tu as vu ça. Justement, et Mère disait que... Oh, ça y est. J'ai trouvé, nous sommes sauvés. Quoi? C'est dans le film Folle Jeunesse. Les jeunes gens s'adorent et la mère veut bien donner sa fille à son soupirant, mais le père s'y oppose. Au fond, c'est le contraire que dans notre cas, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Bon, que fait la mère? Une nuit, elle introduit subrepticement le jeune homme dans la chambre de la jeune fille. Et puis, elle monte se coucher. Là, elle fait semblant d'entendre un bruit. Elle ameut toute la maison, le mari, les domestiques, enfin, tout le monde accourt. Le jeune homme en chemise est découvert auprès de la jeune fille en chemise. Scandale. Et pour sauver l'honneur de la famille, on appelle le pasteur. En chemise. Ça, je me souviens pas. Enfin, voilà. Voilà. Et qui voudrait que j'introduise Joseph dans ta chambre? Le papa, non, non. D'abord, je ne pourrais pas ameuter les domestiques, il n'y en a pas ici. Il y aura mère et toi? Ouais, ça ferait un drame, ça ferait pas un scandale. Oui, mais il y aura la bonne. On est sans depuis ce matin. Où est la chambre de Georgette? Ça va. Eh bien, si... Si tu venais les surprendre avec quelques amis. Ben, ça, j'avais convoqué toute la ville de Bruxelles pour faire constater que ma fille reçoit un homme dans sa chambre. Non, des amis du café que tu aurais mis au courant, comme ça t'aurais les rieurs de ton côté. Et le mariage devient inévitable. Je pourrais respecter la parole donnée à l'union. Et moi, je dois pas me brouiller, ni avec Violette, ni avec mon fils. Ouais, tu peux dire sur le bonheur de tout le monde. Allez, Auguste. Oh, le papa chéri. Auguste. Voyons, monsieur Coppenole. Auguste. Soit. Mais tu ne resteras pas longtemps dans la chambre de la petite. Non, non, le temps de me déshabiller. Quoi? Le temps d'enlever mon veston, ma chemise et ma cravate. Vous me surprenez et vous donnez l'alarme. Vous me faites faire des choses. Allez, inutile de revoir ta femme avant la grande scène. Hein? Qu'est-ce que je vais me faire engueuler? Mais oui, mais ça, on n'a rien sans peine, hein, fils? Hein? Où est-ce que je vous retrouve? Ben, à l'impérial. Choisis déjà un ou deux amis. Ouais, ouais. Un ou deux, hein, pas plus. Ça. Naturellement, on va pas faire venir tous les staminés ici. Tiens, hein? Voilà la clé de la rue ici. Ah oui, la clé. Oui, hein? François, jure-moi, hein? Ben, jure-moi que tu ne laisseras entrer ton fils dans la chambre que quand tu me verras déjà arriver avec les amis. Faut pas tenter le diable, hein, Gus? Ouais, ben, tu me comprends, hein? Si on avait dû faire des trucs pareils, mon jeune, on aurait eu bon mille... Il sait rire avec ça. Oh, en songeant que grâce à cette comédie, ta petite Georgette sera heureuse. Toi, tu seras heureux en me voyant heureuse et mère sera heureuse en me voyant heureuse. Oui, mais en attendant tout ce bonheur, toi, tu peux t'attendre à recevoir un de ces savons. Oh, je marmerai de courage, comme quand je vais chez le dentiste. Après tout, c'est qu'un mauvais moment a passé. Mais après, quel soulagement. Sacré Germaine, hein? Ça a le diable au corps. C'est tout à fait moi. Quand j'avais son âge. Des cagoulards! Ce sont des cagoulards! Quoi? Des cagoulards, des individus sans foi ni loi. Mais qui? Mais les bons se marquent, le bijou tout de même. Madame Violette vient de le téléphoner au local des supporters à son ex-ami, Eliassin. Et moi, pendant ce temps-là, je renonçais que par affection pour sa marraine, il n'allait pas jouer. De quoi est-ce que j'ai l'air, non? De quoi est-ce que j'ai l'air? Ça, je me demande aussi de quoi vous avez l'air. Qu'est-ce qu'il en dit, maintenant? Il dit qu'il sait pas, mère. Il sait pas quoi, non? Je sais pas, mère. Oh, et toi aussi, maintenant, tu vas me faire des cachoteries. Ma mère, écoute. Oh, les pauvres samans sont des cagoulards. Et ma propre famille conspire avec eux. Elle croit pas si bien dire. À tout à l'heure. Tu sors? Non, je sors. Tu vas encore une fois rentrer sur ta tête. Comme ça, je n'use pas la semaine de mes bottines. Tu ne fermes pas les plans, veux-tu? Eh, quand je veux.
coucher? Oui, je me sens un peu fatiguée. Oh oui, d'avoir rien à faire. Et toi, mère, tu vas aussi te coucher? Oh, qu'est-ce que tu veux que je vais te faire ici, en bas? Je vais aller dans mon lit, hein, écouter un petit peu la radio, ça me distraira. Dis, Georgette, tu peux faire une croix sur ton Joseph pour ce mans. Une grande croix comme ça. Une oui. Croix définitive. Oui, mère. Oser tenir le feu avec quelqu'un comme ce garçon a osé tenir le feu avec moi, ça, je lui pardonnerai de ma vie, hein. Oh non, je lui pardonnerai de ma vie. Ou je vais tout de même prendre le revolver avec, on ne sait jamais. Pas ce que tu m'as promis. Hein? Je suis un garçon honnête, père. Joseph. Père. Ne bouge à rien. Joseph. Père. Garde tes mains chez toi. Quand il s'agit de conquérir son bonheur, tu sais. Son bonheur. Mon bonheur. Le bonheur de toute la famille. Pour deux, ce qui fait noir ici. Allez, par où est la sortie, là? Ah, voilà le comptoir. J'ai qu'à le suivre et je tombe tout juste. Allez, bon, dans quoi est-ce que j'ai été mettre ma main, maintenant? Alors, qu'est-ce que c'est? Je t'attrape, ton petit feu! Pour les mains! Mais il n'y a plus personne. Oui, mais la porte est entrouverte. Oui, mais il n'y a personne qui s'enfuit. Est-ce que ce bonheur est passé? Oui, c'est l'étonnant. Autrement, moi, je vais faire un malheur. Honte de la famille et de tous ses descendants. Oui, maman, tout de suite, tout de suite, monter. Oui, maintenant. Oui, oui, oui. Allez, qu'est-ce que tu fais là, Léontine? J'avais oublié de dire quelque chose à Georgette. Ah, tu dois dire quelque chose à Georgette. Eh ben, va le dire à Georgette. C'est déjà fait. Tu as été dans la chambre de Georgette. J'en sors. De sa chambre. Oui. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et pourquoi que ça n'est pas possible? Oui, pourquoi ça n'est pas... Eh bien, il me semble... Oui, il me semble que vous êtes tous les deux criminels, Zat. Hein? Oui. Toi, tu vas monter te coucher. Vous, monsieur Bossemann, vous allez me faire le plaisir de quitter ma maison. Bien, mon dame. Parce que moi, j'ai encore quelque chose à dire à Georgette. Eh bien, dis. Tu es sûr que ton fils est entré? Je l'ai vu entrer, Auguste. Qu'est-ce que c'est? Il se sera caché en dessous du lit pour pas que ma femme le surprenne avant notre arrivée. Oui, c'est ça. Allez, faisons du bruit, c'est comme ça, il saura que nous sommes. Il sortira ça. Deux soulards, vous voulez vraiment arrêter toute la famille, hein? Allez, va vite te coucher, toi. Et vous, monsieur Bossemann, pour la dernière fois, faites-moi le plaisir de quitter ma maison. Allez, bonsoir, François. Mais qu'est-ce que ce gamin est devenu? Ferme la porte. À double tour. Retire la clé.
D'abord, va te coucher. Et toi? Ouais, t'occupe pas de moi, je te suis. Mais qu'est-ce que ce gamin est devenu? Bonne nuit, Zaman. Et maintenant, l'union, elle peut attendre son gardien de butin. Elle l'attendra longtemps. S'il vous plaît, Madame Chapeau. Mais je ne m'appelle pas comme ça, c'est les crapuleux de Mastrotch qui m'appellent. Oui. Oui, ça va, je le sais, déjà tu me l'as raconté 100 fois. Oui, c'est possible. Une boule. Cette boule de Seyu, c'est pour la gorge. Oui, avec plaisir. À vos souhaits. Ah, je me souhaite d'avoir une bonne journée aujourd'hui. Mais ça, vous l'aurez, le stade va refuser du monde. Et comme vous êtes juste en face, allez. Pas trop à ta santé, hein? Votre santé, hein, Madame Chapeau? Je ne m'appelle pas comme ça. Oui, ça va. Oui, c'est moi. Je suis une nouvelle serveuse envoyée par le placement agent. Non, vous n'êtes pas belge? Si, je suis. Par le mariage. Non, alors ça va. Dites, c'est encore à cette heure-ci que vous arrivez, oui? L'agence, mister, il m'a dit d'arriver très tôt dans le matin. Ah, mais vous appelez ça tôt, vous? Oh, yes. Dans le précédent établissement, je suis arrivée à 4 heures de l'après-midi. Qu'est-ce que ça pouvait être pour un exterminateur? Très select. Malheureusement, le propriétaire, il a refusé de renouveler le bail de mon patron. Oh, je suis une victime de la bourse. La crise de la bourse? Madame recevait surtout une clientèle de province qui venait le mercredi à Bruxelles. Ah, je vois, tu étais serveuse à la taverne de l'Éventail. Je faisais. Je regrette beaucoup. Une clientèle si généreuse. Ouais, qu'est-ce que disait ton mari de ça? Il disait rien. Il était depuis longtemps mouru. Encore une qui a de la chance. Et est-ce qu'on t'a dit à l'agence que tu devais faire la cuisine également? Oh, yes! Je fais très bien, patron. Ouais. Ouais, ben, va enlever ton chapeau, là, mettre ton tablier à la cuisine. Je fais. Patron, oui? J'ai un petit service à te demander. Oui, si c'est pas un service d'argent, hein, car ça... De ma vie, je n'ai emprunté ni fait des poufs. C'est pas maintenant que je vais commencer, hein? Alors, ça va. Je t'écoute. Eh ben, voilà. Mon crapuleux de mari est encore rentré dans les petites heures avec une pièce dans ses bottes et plus une cent dans sa poche. Alors, tu comprends, hein? Les demi-gueuses, les pronostics et toute sa semaine, elle est claquée. Et je n'ai même plus de quoi payer mon entrée au stade et ne pas assister au match de l'Union contre le Daring. Oui, je t'ai déjà dit que je ne prête pas. Mais qui te parle de prêter? Je te demande simplement de m'acheter un lapin moins cher qu'au marché. Un lapin? C'est un bon plat pour le dimanche, hein? Oui, c'est une idée. Voilà. Je suis prête. Et, comment est-ce que tu t'appelles? Rebella. Rebella? Oui, ça c'est un nom pour la taverne de l'Éventail, hein. Et si tu t'appelleras Anna? Dis, Anna, est-ce que tu sais faire sauter un lapin? Faire sauter un lapin?
C'est un travail de cirque. Mais non, faire sauter dans une carcerole. Oh, confectionner les giblottes. Oh, yes, je sais. Mais je veux pas tuer. Je suis adhéré pour la Société pour la protection des animaux. Enfin, tu peux quand même bien le préparer. Couper un petit morceau de tête, Patty, ce n'était plus un animal, c'est de la viande. Ben, soit, Madame Chapeau, le tuera pour toi. Puisqu'il le faut. Mais ça me fera quelque chose, hein. Il est si gentil. Et il me connaît, hein. Quand je crie, Jeff-que, Jeff-que, il accourt comme un petit chien. Pauvre Jeff-que. Voilà sa dernière heure qui a sonné. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour assister au match de l'Union contre le Dering? Dis, tu retiendras mon verre sur le prix de la vente. Oui, oui, mais là, elle est blague, hein, tu reviens, hein. Ton lapin, ça ne sera pas un lapin, hein. Si je voulais truquer, ça serait pour plus que 9 francs, hein. S'il y a une honnête femme sur la terre, c'est bien moi. Allez, au revoir, hein. Au revoir. Oh! Encore un peu, on se rentrait dedans. Ça aurait fait un drôle de carambolage, hein, Madame Chapeau? Dis, tu m'appelles pas comme ça, c'est les crapuleux de Mascotte. Oui, oui, ça va. Monsieur Bossmans le sait déjà. Eh bien, puisque tout le monde le sait, alors pourquoi tout le monde continue à m'appeler Madame Chapeau, Madame Chapeau? Mais c'est toujours Madame Chapeau, Madame Chapeau. Compagnon n'est pas là? Non. Je suis le premier. Ben, ça fait des mois qu'on n'a plus vu. Comme vous direz, monsieur Bossmans. Eh, on se boudait. Hein? Eh, la bouderie est finie? Oui. Allez, ça vaut mieux, hein, de vieux camarades comme vous autres. N'est-ce pas? Alors, le petit portant du dimanche? Comme d'habitude, hein? Alors, c'est un peu, monsieur. Moi, j'enferme dans la carte. Oui, comme ça va être le coup de feu, cet après-midi. Ah, ça va être un drôle de coup de feu, ça. Ah, tu peux mal le marcher dans ta jupe, hein? L'ancienne serveuse est partie? I don't know, je connais pas. Vous êtes de Liège? No, de Chester. Hein? De Chastre? Près de Jean Blou. L'ancienne serveuse était gentille. Moi aussi, je suis. Le fait est que... Dans le précédent établissement, les clients étaient très gentils. Toujours, ils offraient moi prendre un verre avec. Tu veux prendre un verre avec? Comme tu veux. Je peux? Oh, merci beaucoup! Qu'est-ce que ça devait être pour un café, là? Tiens, tiens! Oui, santé, hein? Vous êtes un gentleman. Oui, ça, on m'a déjà dit ça. J'aime beaucoup le gentleman. Aucun gentleman? T'es en retard. Vous attendez une personne? Oui, j'attends. Une petite femme? Un grand ami! Une petite femme vaut mieux. Ça dépend pourquoi c'est fait, hein. La bonheur. La bonheur, oui, on dit ça, et puis en fin de compte. C'est very curious. Vous attendez, moi aussi j'attends. T'attends quelqu'un? Qui ça? Rencontrer une âme sœur. Ben, tu vas vite en besogne, hein. T'as une femme à bégayer? Non. Je suis une femme à coup de foudre. À coup de foudre? Ah, tu es de Charlotte. Hein, comme tu vois, Auguste. La tournée est pour toi, hein? Deux pour toi. Deux ou trois? Trois? Ah? Et alors, quelle nouvelle avec ton fils? Ah, pas de nouvelles prières. Comment ça? Mais non, je sais faire rentrer qu'il était minuit passé, alors moi, je tombais de sommeil et... Et quand je me suis levé, il avait déjà filé. Bien sûr. Oui, je suis monté dans sa chambre, lui était refait et tout. T'as questionné ta fille? Ben, le dimanche, moi, je fais toujours la grasse pontinée.
Alors quand je me suis levé, ma femme et ma fille étaient déjà partis à la messe. Ça alors? Est-ce que tu crois que ton fils jouera? Oh, Joseph n'oserait pas me désobéir, hein, Auguste. Et puis, il tient plus à ce match que tu le crois, tu sais. Où est-ce que tu dois le voir? Ben, au stade, hein. Oui, le dimanche matin, on mange toujours. Chacun de notre côté, on mange au restaurant, oui. Joseph avec ses camarades. Moi avec mon violette. Deux portos, s'il vous plaît. Trois portos, voilà. Mais ne bois pas trop, hein. Mais allez, Auguste, un jour comme aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Nous voilà de nouveau installés dans notre petit café. Devant notre porte de dimanche. À la tienne. Santé, la diffusion télévision belge, deuxième programme. Voici quelques mélodies d'hier, quelques souvenirs pour vous faire plaisir. Donnez-nous un jeu de cartes. Ouais. Je sais pas où est le petit endroit. Quel petit endroit? Là où est-ce que le patron y met les cartes. Ah, moi je sais ça. Et ça, Auguste, tu connais ça? Écoute. Nous faisons ça. Pour vous mettre de demoiselle. Nous allons manger les cartes, les cartes, les cartes. Nous faisons ça. Pour vous mettre de demoiselle. Nous allons rire et cartes, les cartes. Ah, le cartes est charmant, mais inattendu. Oh, ma chère Violette. Monsieur Bosman, je vous croyais un gentleman. Alors viens encore de me le dire. Et moi, je ne sais pas si je dois encore vous le dire. Est-ce qu'elle vient encore nous empêter, celle-là? Où est votre fils? Je n'en sais rien. Alors, ça, c'est un comble. Comment? Hier soir, le capitaine fait dire à un autre joueur qu'il devra remplacer votre fils comme gardien de but. Une heure après, il lui fait dire qu'il ne devra peut-être plus le remplacer. Le capitaine, d'autre part, fait envoyer une lettre express à votre fils en lui demandant de passer le voir. Pour savoir si, en fin de compte, il jouera oui ou non. Ben, je ne sais que penser. Je pense, moi, que vous êtes en train de me jouer la comédie avec cette vieille ficelle de Campenol. Dites, madame, c'est pas parce que vous nous avez vus occupés à... Oui, au assez de manigance. Où est votre fils? Ben, je n'en sais rien. Vous mentez. Ma chère Violette. Il n'y a plus de chère Violette. Méfiez-vous, Bosman. Il y a deux femmes en moi, la délicieuse et l'autre. Jusqu'à présent, vous n'avez connu que la première. Et je ne vous conseille pas de rêver la seconde. Alors arrangez-vous pour que votre fils soit au stade d'ici une demi-heure. Je ne sais pas où il est. Oh, des blagues. Parole d'honneur. Hier aussi, vous m'avez donné votre parole d'honneur que votre fils jouerait. Et pour qui vais-je passer, moi, aux yeux des membres de l'Union, aux yeux des supporters? Pour une folle qui sait pas ce qu'elle raconte? Violette. Peut-être pour une traîtresse payée par le Dering pour jeter le désarroi dans l'équipe de l'Union. Violette. Et tout ça par la faute d'un homme qui disait m'adorer. Ah, d'un vilain que j'appelais beau, d'un vieux que j'appelais jeune. Tout ça par bonté d'âme, d'ailleurs. Comment? Est-ce que je peux y servir quelque chose? Non, laissez, monsieur, a servi. Allez, vous allez venir avec moi au stade chez le capitaine et lui expliquer que je suis innocente dans tout ce qui arrive. Violette. Accompagnez-moi, je fais un malheur! Je vous accompagne. Tu m'excuses, hein, Auguste? Oui, oui, pas seulement. Accompagne ta délicieuse. Que ce soit moi, je reviens. Hein. Oh, et si elle te le permet. Bosman! Oui, voilà, j'arrive. Un vilain qu'elle l'appelait beau, un vieux qu'elle l'appelait jeune. C'est une femme passionnée. Oui, elle est un peu trop passionnée. Moi aussi, je suis. Oh, enchanté de l'apprendre. Donnez-moi un porto. Un ou deux? Deux, si ça peut faire ton bonheur. Ce qui pourrait faire mon bonheur, c'est de rencontrer une âme sœur. Sœur? Ah oui, sœur. Un noble anglais, comme ça. Pas nécessaire qu'il soit anglais. Ah oui, donc. Un sœur bruxellois pourrait faire ton affaire. Yes. Papa, comment fais-je, je t'éprouve. Oh, une rivale, je n'aime pas ça. Eh bien, quelle nouvelle avec ton Joseph? Mais c'est pour te demander que je te cherche, père. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas dans ta chambre hier soir quand ta mère est arrivée? Mais il y était. Ta mère l'a vu? Bien sûr. Eh ben pourquoi vous n'avez pas appelé, crié? Mère nous a obligés de nous taire sous la menace de ton revolver. Mon revolver? Oui, et puis elle m'a envoyé coucher dans la chambre de la bonne. Il allait rester seule avec Joseph? Oh, mais pas longtemps, parce qu'un peu après, elle est venue m'enfermer à clé. C'est donc ça qu'elle a tant tardé à me rejoindre. J'ai passé la nuit à trembler, à pleurer. Et le matin, j'ai entendu du bruit dans le corridor. Alors j'ai pensé que c'était la bonne du second, et j'ai crié qu'on m'avait enfermée par erreur, qu'elle n'avait qu'à tourner la clé dans la serrure, elle l'a fait.
Alors je suis descendue 4 à 4, père, et comme je savais que tu n'étais pas là, je me suis enfuie. J'ai même été jusque chez les postmans, mais là on m'a pas ouvert. Alors je suis venue ici dans l'espoir de te trouver pour te mettre au courant. Eh ben, on n'a pas des nouvelles de Joseph depuis le moment où il est entré dans ta chambre. Mais qu'est-ce qu'il a fait de venir? Mais il est peut-être toujours enfermé là-bas, celui-là. Mais il n'avait qu'à sauter par la fenêtre, c'est pas haut. Oui, et si ta mère l'a ligoté, bâillonné sous la menace du revolver? Elle en est bien capable, hein? Ta mère? Elle est capable de tout. Allez, allez, on va aller le délivrer. Hein. Attends, serveuse! Monsieur Coppelon, dites, je dois ici je ne sais combien d'apporter. Oui, si vous êtes pressé, vous paierez ça plus bon, tard. Hein. Attendez, dites, si vous voyez vos sens, c'est de m'attendre. Hein. Je reviens, j'aurai des nouvelles de son gamin. Pourvu qu'on trouve un taxi. Oui, taxi. Ces supporters, les jours de match, ce n'est plus des ondes, ça, c'est des piles électriques. Jean! Oui? Jean! Tu peux payer mon taxi, j'ai pas franc sur moi. Allez, tu fais du nudisme? Oui, c'est à peu près ça. Bon, j'ai encore 5 minutes. Un scotch. Vous êtes fréquencé? Vous demandez ça parce que je commande un scotch. Non, parce que vous n'avez pas de pantalon. Comme moi. Vous n'avez également pas de pantalon? Non, comme moi, je suis compatriote. J'aime beaucoup les Écossais. Eh ben moi je préfère le scotch. Voilà, c'est fait. Jean! Oui? Tu peux me prêter un pantalon à toi? Mais volontiers, mais dis-moi un peu, qu'est-ce qui t'est arrivé, là? Figure-toi que la nuit dernière, je me suis introduit dans la chambre d'une jeune personne. Sans pantalon? Non, pardon, avec pantalon. J'y entrais en tout bien, tout honneur. Ah oui, on dit ça. Enfin, et après? À peine y étais-je, hein? Que tu enlèves ton pantalon. De tout, puisque je t'ai dit que j'étais en tout bien, tout honneur. À peine y étais-je que Madame Cope, une seconde femme, entre à son tour. La rivale. Celle-là armée. D'un rasoir? Non, d'un revolver. Ça, c'est moins dangereux, ça. Elle jette la jeune fille hors de la chambre. Pour prendre sa place. Sous la menace de son arme, elle m'ordonne. D'enlever ton pantalon. Pas seulement ça. Tout. 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 C'est une curieuse. Une fois que j'étais nu comme un verre. Ah ouais, tu le précisais, j'ai compris. Tu n'as rien compris du tout. Elle m'a menacé, si je faisais le moindre bruit, de téléphoner à la police pour dire qu'un cambrioleur satyre s'était introduit sous son toit. Après quoi? Elle a abusé de leur situation. Oui. Mais pas comme tu le penses. Elle m'a enfermé dans la chambre après avoir emporté mes frusques. Oh, oh, quelle aventure! Tu te rends compte? Pas moyen de m'enfuir par la fenêtre tout nu. Non, mais tu ne pouvais pas faire sauter la serrure en silence? J'ai essayé, toute la nuit. Ça n'a réussi il n'y a qu'une demi-heure. J'ai bondi de la pièce. En silence. Ce vieux par-dessus et ces vieilles godasses se trouvaient derrière le comptoir. Je m'en suis emparé. En silence. Et je me suis éclipsé. Un taxi passait justement, j'ai sauté dedans. Et comme j'avais pas le temps de passer par la maison, je me suis fait conduire chez toi, ici. Mais j'y pense à ton équipement pour jouer. Le capitaine a dû prévoir un remplaçant, hein? Eh ben j'emprunterai la tenue du copain. Seulement, je pouvais quand même pas entrer au stade dans cette tenue, hein, tu comprends? Bah, c'était à tort. Tu aurais eu ton petit succès. Allez, viens, je vais te prêter un costume. Tu passeras par la porte du jardin, ça coupe court. Allons-y. Dis, mais j'y pense, là, toutes ces émotions ne vont pas t'handicaper? Au contraire. Je me sens d'une énergie farouche. Je triompherai pour donner une leçon à cette mégère. Aussi vrai que je me nomme Joseph Postmans. Et c'est pas ça qui empêchera le mariage. S'il faut enlever Georgette, tant pis, on l'enlèvera. Ce sera encore du sport, tiens. Oh, un envers d'amour, c'est réellement exciting. Et je commence à croire que vous êtes un peu trop exciting pour un estaminet comme celui-ci, vous savez. Une mort subite, s'il vous plaît. Hein, n'est-ce pas? Ce qui est arrivé, t'as eu un accident? Pas comme tu vois, allez. Comment je pensais aller voir le match? Mais arrivé devant le stade, j'ai pas eu le courage d'entrer. Bon, ce sera un trop grand crève-cœur pour moi de voir jouer le Daring sans moi. Ouais, je comprends ça. Je suis tout même malheureux, tu sais. C'est triste. Est-ce que je peux aussi prendre un verre avec? Oui, fille. Avec ton argent, hein. Oh. Méchant. Quand on est triste, il faut chercher une consolation. Et là, faut mettre en bas de mon corps, hein? Pour qu'est-ce que tu prends? Dis-moi, je ne suis pas un homme léger, tu sais. Monsieur Coppola, le voilà. Je connais pas. Oui,
Bonjour, madame. Oh, une soeur, t'as pas vu mon mari? Non, madame. Et ma fille? Non plus pas. Oh, mon Dieu, où est-ce qu'elle peut être, madame? Vous l'avez perdue? Hier, pour une raison qui vous regarde pas, je l'avais enfermée dans la chambre de la bonnet ce matin en revenant de la messe. Quand j'ai voulu aller la délivrer, elle avait disparu. Et une autre pièce dans laquelle j'avais enfermé une autre personne était vite également. Oh, 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 pourvu qu'il n'ait pas fait un coup de tête, qu'il soit pas allé se noyer tous les soirs. Oh, ma pauvre petite Joseph, mais qu'est-ce qu'elle a pu devenir? Mais mon Joseph, qu'est-ce qu'il est devenu? Oui, comment vous n'avez pas de ses nouvelles? Pas depuis hier? Pourtant, il s'est échappé ce matin. Échappé? Où ça? Oui, de nulle part. Il est pas au stade. Non, j'en viens, on l'a pas vu. Mais c'est bien fait, tiens, si le dérive doit se passer de moi, l'union se passera de Joseph Bosmans. Please, vous cherchez un monsieur Joseph Bosmans ici, il était passé il y a pas longtemps. Ici? Vous êtes bien sûr que c'était lui? Oh, il disait lui-même qu'il s'appelait comme ça. Comment Joseph est venu dans cet estaminet, il est pas allé au stade? Mais qu'est-ce que ça est pour un mystère? Ça, je me le demande. Important, s'il vous plaît. Mais je lui reste. Une demoiselle Georgette est venue aussi ici. Oh. Votre fils et ma fille se sont rejoints ici? La jeune fille est partie toute seule? Non, elle a pris un taxi avec le monsieur. Ils sont partis en taxi ensemble? Un enlèvement? J'ai entendu M. Joseph Bosman dire quelque chose comme ça. S'il faut enlever Georgette, on l'enlèvera. Ce sera du sport. Ouais, mais pour du sport, ça, ce sera du sport. Le gardien, non content de s'être introduit dans la chambre de mon enfant, aujourd'hui il remet ça, il l'enlève. Ah, tout bien, tout honneur. Qu'est-ce que vous en savez? Ils prendront des chambres séparées. Comment? Oui, oui, l'enlèvement a été concerté, hein, vous étiez au courant. Léontine, je vous jure. Mais il n'y a plus de Léontine pour vous, mais une mère outragée qui a soif de vengeance. Une soif terrible. Une soif atroce. Une soif... Allez, donnez-lui vite à boire. Maintenant, j'étancherai ma soif d'une autre façon. Car il y a une chose à laquelle vous n'avez pas pensé, c'est que Georgette n'a pas 21 ans. Et votre fils s'est rendu coupable d'enlèvement de mineurs. Et vous de complicité d'enlèvement de mineurs. Mais Georgette répare! Ce n'est pas lui qui réparera, mais la justice. Je le traînerai devant les tribunaux. Et vous avec? Moi avec? Devant le tribunal. Moi, marchand de chair humaine. Marchand de chair humaine. Trafiquant d'esclaves blanches. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut attendre? Oui, t'entends-toi, Nestor. Ça, tu peux être tout à fait tranquille. Hein. Quoi qu'il puisse arriver à notre Georgette, moi, je te la donnerai. Merci du cadeau. Quant à vous, monsieur Bosmans, nous nous retrouverons devant la cour d'assises. Où allez-vous? Demandez votre arrestation immédiate. Oh, madame, comprenons, laissez. Laissez. Elle a encore soif. Madame Coppenole, je vais vous expliquer. Madame Coppenole, mais écoutez-moi, Madame Coppenole, vous faites de laisser. Quand la malchance commence à s'y mettre, Andy, je sais pas jouer avec mon équipe. La fille que j'aime joue scamp avec un autre. Moi, je me demande ce qui va encore m'arriver, tu sais. Demandez plutôt un second verre pour vous et pour moi. Ça vous fera une consolation. Laisse-moi un peu bien tomber avec ta consolation, toi, ou je te donne une touffeline. Je l'ai assassiné. Il est dans mon cabasse. Qui ça veut? Jeff que... Je n'avais pas le courage de le regarder courir. Alors, je l'ai fourré dans le tiroir de la commode avec sa tête d'or. Et pour ne pas regarder ce que je faisais, j'ai poussé le tiroir. Avec mon postérieur. Jusqu'à ce que la pauvre bête ait rendu le dernier soupir. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas par amour du football, hein? Dites-moi, le patron, je voudrais me faire payer car le match est déjà commencé. Dans la cuisine? Ah. Oh! Vous n'avez pas pelé le animal? Pelé? Enlevé son feu? Ça, je fais pas, hein? C'est fait, je vous paye un verre. Oui, pas pour ça, verre. Je n'aurai pas le courage. Moi, je le fais, tiens, mais je vous paye un verre, hein?
Vous payez un petit morceau et la tête, Patty, vous avez l'habitude. Ben non, j'ai pas l'habitude, hein, mais ça ne fait rien. Je m'imaginerai que c'est mon concurrent en amour que je découpe. Ça va me calmer les nerfs. Hein. Oh, il bat les femmes et il est sanguinaire. Exciting. Ah, pardon, s'il vous plaît. Il est peut-être directement allé au stade, mais... Oui, ben écoute, va jusqu'à là parce que moi, je n'en ai plus là. J'ai fait... Quelle aventure, quelle aventure. Pas moyen de savoir ce que Jeffkin est devenu. Elle est la mère Coponolo qui a aussi disparu, celle-là. Oh, une dame qui s'appelle comme ça, elle s'est disputée avec le monsieur. Qui prenait le poteau avec vous? La mère Coponolo s'est disputée ici avec vos fans? Terriblement. Ils ont menacé juge, cour d'assises et ensemble, ils ont couru chez le commissaire de police. Le juge quoi? D'assises et commissaire de police? Qu'est-ce que c'est encore pour une histoire? Donnez-moi un peu. L'argent des crimes. Pauvre Jeffke. Pauvre Jeffke quand même. Là, je me demande quand même ce que Jeffke est devenu. Elle l'a tué. Elle l'a tué. Qui ça, ma femme? Oh, c'est votre femme. Oui, mais comment savez-vous ça qu'elle l'a tué? Elle me l'a dit. Elle l'a tué pour l'amour du football. L'amour du football. C'est bien ça. Tout s'explique maintenant. La dispute avec Bosmans, le commissaire de police à cour d'assises. Ma femme est une assassine. Une assassineuse, en fait. Et comment est-ce qu'elle l'a tuée? Oh! Avec le revolver! Non! Elle l'a mis dans le tiroir de la commode! Dans un tiroir? Avec son tête? Avec la tête dans un tiroir? Et puis après? Après? Elle a poussé avec son postérieur. Jusqu'à ce que le malheureux, il ait rendu son dernier soupir. Atroce. C'est atroce. Ma femme est une landrue femelle. Ce n'est quand même pas si épouvantable que ça. Ah, tu trouves, toi? Ouais, il est vrai qu'une créature de ton genre... Et qu'est-ce qu'on a fait du corps? Le jeune homme l'a coupé en petits morceaux. Le jeune homme? Quel jeune homme? Il s'appelle Nestor et il a mal au pied. Van Nipperazel. Il a fait ça. Pour une demi-gueule. Pour une demi-gueule. Mon pauvre Bosmans. Quand tu vas savoir ça? Pauvre Coponoli, il sait déjà que sa fille a filé avec mon chef. Dans les journaux. Mon pauvre, moi que tu es au courant. Toi aussi, tu sais déjà ça. C'est une misérable, la fille. L'a dû lui faire perdre la tête. Ouais, ça n'est pas une raison pour la fourrer dans un tiroir. Dans un tiroir? Croyez que c'était dans un taxi? Non, dans un tiroir. Et puis après, elle a... Avec son postérieur. Qu'est-ce qu'elle a fait avec son postérieur? C'est trop affreux, je ne peux pas te dire. Déporte-toi. Alors, qu'est-ce que tu as fait, putain? Moi, je veux voir pour oublier le déshonneur de la famille. Mais ce sera un déshonneur que si la justice s'en mêle. Eh bien, là.
La plaque n'a pas été déposée. J'ai été absent. Eh ben, ça n'est que partie remise, hein, vieux. On va les coffrer tous les deux. Les coffrer? Tu préfères pas étouffer l'affaire? Étouffe? Étouffe? C'est toi le père qui dit ça? Je suis désolé que tu la justice s'en mêle. Mais elle s'en mêlera comme... Non, non, écoute, François, moi je commence à croire que tu es content d'être débarrassé de ton fils. On ne l'est pas débarrassé pour ça, on le retrouverait. On le retrouvera, mais dans quel état? En pièces détachées, nous. Et toi, tu voudrais qu'on épargne au coupable le juste châtiment? Bah, François, tu me dégoûtes. Quoi que ta femme puisse dire, moi, je n'ai pas trempé dans cette affaire. Non. Ma femme t'accuse d'être complice. Mais ce n'est pas vrai. Mais je suis sûr que je... Merci de croire à mon innocent. Moi, je sais ça. Je sais que tu es un innocent. Roger est accusé. Toi, moi, le plus brave des hommes, Roger est accusé d'avoir aidé à fourrer ton gamin dans... Tiens, cette femme est monstre. Dans quoi? Auguste, Auguste, si tu savais ce qui est arrivé. Je sais tout. Oui, mais la plainte est déposée. Et on ne t'a pas gardé. Mais pourquoi faire? Pourquoi? Elle ose me demander pourquoi. À genoux. À genoux devant mon camarade Osmond. L'Auguste, je t'en ai pas tant. Si, j'ai vu qu'elle te demande pardon du chagrin qu'elle te cause. Mais il a bien cherché. Et elle ose s'en vanter. Mais certainement, oh, tu me connaissais pas ainsi, hein, Auguste. Si je te connaissais, je savais que tu étais un sac de fiel et de vinaigre. Auguste! Un réservoir de larmes de crocodile. Auguste! Il a fallu que tu fasses ce que tu viens de faire pour que je découvre ton âme de boue et de sang. Auguste! C'est cette créature criminelle qui nous a tyrannisés pendant 20 ans, ma fille et moi. Avec ses pleurs et ses lamentations. C'est cette créature criminelle dont je faisais toutes les volontés, même les plus absurdes, au lieu de lui flanquer une bonne tripotée chaque fois qu'elle l'ouvrait. Comme ça, du moins, elle aurait su pourquoi elle pleurait. Parler comme il vient de le faire, il faut qu'il soit devenu fou. Hein. Ça, je commence à le croire aussi. Est-ce qu'on s'est trouvé de l'eau ici? L'assassin, il a encore du sang de la victime sur les mains. Justement, je voudrais bien me le laver, moi. Et tu n'as pas hésité pour faire ça. Si j'ai hésité, surtout pour la tête, hein. Moi, j'ai pas l'habitude. Et qu'est-ce que tu as fait de la tête, mon vieux? Je l'ai donné à manger au chat. Et tu as fait tout ça pour une demi-gueuse? Oui, pour une demi-gueuse. Ça valait quand même bien une gueuse entière. Hein? Monstrueux. Il est monstrueux de cynisme. Oui, mais enfin, de quel corps est-ce qu'il s'agit? Ne fais pas celle qui ne le sait pas. Mais Auguste, je te jure... Mais quoi? Menteuse. Quelle postérieur a poussé jusqu'à ce que le malheureux ait rendu le dernier soupir? Le tien? Je porte aussi. Il n'a plus ses cinq, hein?
L'enlèvement de Georgette nous aura fait perdre la tête. Les enfants partis, moi, prosse sur les bras pour des bols de mineurs. Mon ami d'enfance, frappé de folie furieuse. Et tout ça, pour celle-là. Monsieur Bosman, écoutez comme je suis heureux. Oui, ben je vais vous faire ravaler votre bonheur. Oui, mais vous ne savez pas. Oui. Si je le sais, je vais vous le dire comme mon camarade Bosman vient de le dire à sa femme. Mais lui, il a attendu d'être devenu fou pour le temps. Mais moi, je le dirai avant de l'être devenu. Madame Violette, il y avait un commerçant qui vivait rangé derrière le voiture, qui vivait que pour son fils, pour son commerce. Et pour son ami Corbeau. Exactement. Mais monsieur Bosman. Une créature fatale, véritable serpent, sonnette féminin, s'est glissé dans cette existence paisible pour offrir la pomme à cet imbécile et lui pincer la corde sensible de sa sensibilité. Elle a fait de lui un mauvais père, un mauvais ami. Et cet imbécile, c'est-à-dire moi, a maintenant sur les bras un procès pour débauche mineure. Mais quel âge croyez-vous donc que j'ai? Mais il ne s'agit pas de votre âge, à vous. Allez, calme-toi, François, calme-toi. Ça va passer, tu sais. C'est de votre faute, tout ça. C'est à cause de vous que son petit Jeff Ken est transformé en Kip Capouche. Ils sont devenus fous tous les deux. Ah, ben c'est... J'ai encore un neuf appelé avec madame, comme mon camarade Coppenol vient de le faire avec sa femme. Oh oui, quel œuf! Taisez-vous, madame Violette. Je me croyais beau alors que je suis vilain. Je me croyais jeune alors que je suis vieux. Mais vous, je vous prenais pour un ange, mais vous n'êtes plus... Je vous interdis de prononcer ce mot. Vous ne saviez même pas ce que j'allais dire. Si, j'ai assez souvent traité Violette de ça. Mais elle ne le mérite pas. Merci, elle l'a fait. Il faut respecter un genou, la femme qui a eu le flair de découvrir le gardien de but qu'elle a découvert. Qui ça? Qui ça? Ben, mais Joseph Bosseman. Allez, encore un fou. Mais il a fait comme l'origine. Qu'est-ce qu'on crie? Mais on crie vive Joseph Bosseman. Et alors il n'a pas enlevé Georgette? Mais alors le chat n'a pas mangé sa tête? Les supporters dont Joseph en triomphe! Oh, il est la belle-mère d'un joueur célèbre, comprends en triomphe le rêve de ma vie! Joseph, donne une baisse à ta fiancée! Oh, merci! Léontine, tu peux aussi m'embrasser. Je te pardonne tout ce que je t'ai dit. Auguste, merci! Violette, si nous en faisions autant! Je ne demande que ça, Eliassin! Oh, je voudrais bien faire la même chose! Allez, tu veux faire ton coup avec moi? Allez! Oh, merci! Eh bien, bon, me laissons en rack ici maintenant! Si tu veux une baisse de moi! Laissez-le dire! Ça nous portera bonheur!